الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وهدانا وعلمنا وأنقذنا وفرج عنا الحمد لله بالإسلام الحمد لله بالقرآن الحمد لله بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وأظهر أمننا وأحسن معافاتنا وجمع فرقتنا وأحسن خلاصنا الحمد لله على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله حتى يرضى والحمد لله إذا رضي والحمد لله بعد الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أما بعد donc je tiens tout d'abord à remercier les frères responsables de la mosquée de m'avoir invité à ce séminaire. Comme il a été dit, lorsqu'on dit que ce sont toujours ceux qui sont en quête du savoir qui se déplacent pour acquérir le savoir, ça n'a pas toujours été vrai, même si c'est quelque chose qui est répandu. Mais normalement, da'wa pour Allah Azza wa Jal, l'appel à Allah Azza wa Jal, a toujours été un effort de celui qui détient un petit peu de ce qui lui a été attribué, qui va lui-même se déplacer vers les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est toujours déplacé pour aller transmettre le message à ceux qui en ont besoin, à ceux qui l'ignoraient. Et le déplacement du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Taif en est le meilleur exemple, et ensuite son immigration jusqu'à Médine. Et ce qu'il faisait aussi avec ses compagnons, c'était lui qui envoyait ses compagnons vers les autres afin de transmettre le savoir. Sauf que cette danse s'est renversée avec le temps et c'est les gens qui allaient se déplacer pour aller chercher le savoir auprès de qui on a une partie. Et normalement, on doit revenir à cette règle de base qui est toujours de fournir un effort aussi bien de celui qui détient un peu de savoir que de celui qui le recherche afin de se retrouver autour de la parole d'Allah Azza wa Jal. Et c'est une entreprise gagnant-gagnant quelque part, puisque chacun cherche auprès d'Allah Azza wa Jal un gain dans l'au-delà. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal que ce que nous allons dire ici ou apprendre ici sera exclusivement pour sa face et qu'on n'en tire aucun profit matériel mondain. C'est pour cela que je commence toujours par ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Ibn Majah, Tirmidhi. C'est un hadith qui est authentique, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Man ta'allama al-ilma liyubahiya bihi al-ulama, aw yumariya bihi al-sufaha, aw yasrifa wujuha al-nasi ilayhi, adkhalahu Allahu jahannam. » Celui qui apprend la science dans le but de rivaliser avec les savants, de débattre avec les faibles ou les faibles d'esprit, ou bien pour attirer l'attention des gens vers lui, Allah Azza wa Jal le fera entrer en enfer. Autrement dit, la quête du savoir ne doit avoir comme objectif que de renforcer la foi, de comprendre la religion, de se rapprocher de Allah Azza wa Jal et d'acquérir encore plus d'humilité et de modestie. Alors donc le sujet que j'ai proposé moi-même, puisque les frères lorsqu'ils m'ont contacté, ils m'ont laissé le choix de proposer quelques sujets. Donc j'ai choisi de parler d'un sujet très important puisqu'il tourne autour du Coran. Et nous savons tous bien entendu que le Coran représente le cœur de l'islam et l'âme, comme on va le détailler ce soir inchallah dans une autre mosquée, l'âme de l'existence ou l'âme de l'univers. Et c'est autour de ce sujet d'ailleurs que toutes les sciences ont été construites et ont été échafaudées au fur et à mesure de l'histoire de l'islam, puisque le but final est de comprendre la parole de Allah Azza wa Jal. Toutes les autres sciences sont au service de la compréhension du livre d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que tout doit revenir justement vers le livre de Dieu, parce qu'il y a aussi un problème que vit la communauté musulmane, c'est que parfois on se spécialise tellement dans certaines sciences juridiques ou religieuses d'une manière générale, qu'on oublie l'essentiel. On rentre dans la technicité de certaines sciences et on oublie que ces sciences-là ont un objectif final qui est celui de comprendre la parole de Dieu. Et on se sent au fur et à mesure écarté de la parole de Dieu et on rentre dans la technicité et avec tout ce que ça peut générer comme l'endurcissement du cœur. Et ça c'est quelque chose d'ailleurs qu'on reproche beaucoup à plusieurs savants.
qui, à force d'être submergé par les règles techniques et les approfondissements qui rentrent dans plusieurs détails, la spiritualité prend un coup et la spiritualité régresse. Et quelque part, l'objectif principal du message de l'islam devient quelque part bafoué. Donc le sujet qu'on va traiter, Inch'Allah, c'est l'histoire du Coran et de ses lectures. Et on va essayer de traiter ce sujet sous quatre chapitres. Je commencerai par le premier chapitre qui est une introduction générale que je reprendrai ce soir dans une mosquée. C'est plus exhortatif pour parler de l'importance de la lecture du Coran et de sa mémorisation, parce que ce qu'on va étudier ne doit pas nous faire oublier que le but final, c'est de multiplier la lecture du Coran, de multiplier sa mémorisation, sa compréhension et sa méditation. Quand bien même on peut cerner les sciences qui tournent autour du Coran, au niveau technique, si on n'a pas ce rapport fusionnel quotidien avec le Coran, c'est que notre science et notre apprentissage et les informations qu'on a pu thésauriser au fur et à mesure ne servent absolument à rien. Alors, le Coran, comme vous le savez, a énormément de mérites. Et c'est pour cela qu'il a été le miracle, avec un grand L majuscule, le miracle par excellence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il transcende les générations. Et ça reste toujours une preuve de la véracité du message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit déjà à son époque et même plusieurs générations après, et ça continuera jusqu'à la fin des temps. Puisque Allah azza wa jalla dit à ce propos, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Nous allons leur montrer nos signes dans les horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils soient persuadés qu'il s'agit de la vérité. Donc le Coran ne cesse de dévoiler les trésors que dont Allah Azza wa Jalla a doté. Le Coran ne cesse de montrer les secrets que Allah Azza wa Jalla a mis en lui. Et tout le travail que nous faisons, c'est seulement pour dévoiler ses secrets et ses trésors. Bien entendu, celui qui lit le Coran, qui l'apprend, qui le médite, la première chose qu'il bénéficie, c'est la grande récompense de la part de Allah Azza wa Jalla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce propos dit: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Je sais que ça, ce sont des détails ou bien des choses qui sont connues par nous, mais toujours la science tourne autour de tadhkira. فذكر إنما أنت مذكر. Et on n'aura on sera jamais en satiété d'apprendre et de réapprendre et d'écouter, de réécouter les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui à chaque fois vont laisser un bon impact sur le cœur. Celui qui lit une seule lettre du Coran s'inscrit une bonne action, et la bonne action a 10 fois son salaire. Je ne dis pas Alif Lam Mim en faisant référence aux 3 premières lettres par lesquelles commence Surat al-Baqarah et d'autres, Alif Lam Mim Harf, mais Alif Harf, Mim Harf, Lam Harf, Mim Harf. Ça veut dire, lorsque je dis Alif Lam Mim, je gagne 30 hasanats. Si je dis Alam, Alam Tara, je gagne 30 hasanats. Si je dis Alam Tadhab ila Souq, ne suis pas parti au marché, j'ai aucune hasana. Alors que j'ai prononcé exactement la même chose. Pourquoi? Parce que j'ai prononcé une parole, lorsque j'ai prononcé le Coran, j'ai prononcé une parole qui a une sacralité. Et j'ai prononcé la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, la parole, c'est un attribut de Dieu. Sifatun min sifatillah. Et Allah Azza wa Jal m'a donné le pouvoir de prononcer sa parole. Et ça, je ne sais pas si on pèse l'importance de cette symbolique-là. Que tu puisses, par ta langue, répéter une parole de Allah Azza wa Jal. Ça, c'est quelque chose qui est juste extraordinaire. Regardez-nous l'importance qu'on donne à, enfin les scientifiques qu'ils donnent à, au patrimoine, l'héritage c'est-à-dire de nos ancêtres. Lorsque par exemple un paléontologue trouve un objet qui existait depuis des milliers de siècles ou des milliers d'années, on le prend avec une certaine dextérité, on le nettoie avec certaines
voilà, avec vraiment d'une manière très minutieuse, et on le met dans des coffres et ainsi de suite. Pourquoi ? Parce que tu dis, ça regorge d'histoire, ça pèse 100 000 ans, ça, c'est ce que j'ai entre les mains, ça pèse 100 000 ans, ça pèse 200 000 ans, et on lui donne une importance extraordinaire. Lorsqu'on parle du Coran, le Coran c'est juste la parole d'Allah Azza wa Jal incréée. Incréée. Et lorsque je dis incréée, ça veut dire qu'on ne peut pas la mesurer avec le temps. Elle n'a pas 1 milliard d'années, elle n'a pas 40 milliards d'années, elle est éternelle. Et le fait de pouvoir répéter sur sa langue une parole éternelle, alors il faut comprendre que c'est une dimension extraordinaire. Et que nous, êtres humains, aussi petits que nous soyons, puissions répéter une parole qui est éternelle, alors c'est un privilège qui est extraordinaire. Qui est extraordinaire. Mais encore faut-il comprendre ce sens-là. Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla, en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début du message, de la révélation, il lui a dit: Ya ayyuhal muzammil, qum illayla illa qalila, nisfahu awin qus minhu qalila, aw zid alayhi wa rattil al-Qur'ana tartila, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Ô toi le revêtu, lève-toi pendant la nuit pour veiller une partie de la nuit, sauf une petite partie que tu accorderas pour le repos, soit la moitié de la nuit, ou diminue un petit peu moins, ou bien rajoute un petit peu plus. Pourquoi tout cela? Parce que tu dois te préparer à quelque chose que nous allons descendre sur toi. Inna sanulqi, nous allons descendre sur toi une parole lourde. Sanulqi alayka qawlan thaqila. Et vous savez, lorsque quelqu'un veut, imaginez vous êtes en dessous d'un immeuble et quelqu'un va te dire: tiens, je vais te jeter une pastèque par exemple. Si tu dis je vais te jeter une feuille, ta préparation pour recevoir la feuille ne va pas te demander un grand effort. Voilà, la feuille, je vais la suivre jusqu'à ce qu'elle se rapproche, après je bougerai. Mais s'il s'agissait d'une pastèque, on va te dire je vais te jeter une pastèque, là tu vas te positionner d'une certaine manière, tu vas tendre tes mains d'une certaine manière, tu vas avoir une attention très particulière, une concentration très particulière, et toute ta concentration, tes yeux, tes sens vont se diriger vers ce que tu vas recevoir. Et une fois tu vas le recevoir, bien entendu, tu vas le recevoir avec une grande protection pour que ça ne tombe pas. Ben, c'est cette image-là, cette parabole-là que je donne, il faut l'imaginer avec le Coran. « Inna sanulqi alayka qawlan thaqila » Je vais descendre sur toi quelque chose de très lourd. « Qawlan thaqila » لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu la verras effriter, exploser, effriter tellement la parole est lourde. Et ça, si j'insiste sur cette parole-là, c'est pour que le contact et le rapport que nous devions avoir avec le Coran soit un rapport particulier. Pas le même rapport qu'on a avec n'importe quelle parole, de n'importe quel être humain, quelle que soit l'éloquence qu'il puisse avoir, quelle que soit l'intelligence qu'il puisse avoir. Là, je suis en train de traiter la parole de Dieu. Et il faut comprendre cette dimension qui est la parole de Dieu. Donc voilà pourquoi Allah Azza wa Jal l'a doté avec autant de mérite. Deuxième chose, c'est que le Coran, le relationnel avec le Coran permet l'élévation dans les degrés du paradis. À ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: yuqalu li sahibi al-Qur'an iqra wa irtaqi wa rattil kama kunta turattilu fi ad-dunya fa inna manzilaka 'inda akhiri ayatin taqra. On dira le jour du jugement dernier au lecteur assidu du Coran: lis et monte les degrés du paradis, récite clairement comme tu le faisais dans le bas monde. Ta place au paradis sera fixée au dernier verset que tu liras. Et ça, c'est une incitation aux musulmans et à la musulmane, bien entendu, pour apprendre le Coran, pour qu'il y ait une partie du Coran dans son cœur. Et le rapport qu'on doit avoir avec le Coran, c'est un rapport d'imprégnation. Il faut que le Coran se mélange avec notre âme, se mélange avec notre sang, se mélange avec notre chair. Et il doit avoir une place importante dans notre quotidien. Omar ibn al-Khattab a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah yarfa'u bi hadha al-kitab aqwaman wa yada'u bihi aw yada'u akharin. Grâce à ce livre, Dieu élèvera des gens et abaissera d'autres. Et ceci, dans notre quotidien, on le voit, les gens à qui Allah azza wa jalla a donné la connaissance du Coran, la compréhension du Coran, Allah azza wa jalla les élève parmi leurs pères, et il les élève aux yeux de tout le monde, bien entendu. La troisième chose, c'est que le troisième mérite, c'est que le Coran nous permet une certaine proximité avec les anges messagers.
Et ceci revient à un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil barara. Celui qui excelle dans la récitation du Coran sera réuni avec les anges nobles et vertueux le jour du jugement. Ça veut dire il sera dans les plus hauts degrés. Celui qui, malgré ses difficultés, le récite en annonçant aura une double récompense. Une double récompense parce que même s'il n'arrive pas à maîtriser sa récitation, il fournit un effort, il va presque bégayer en prononçant le Coran lettre par lettre et répéter la lettre plusieurs fois. Mais Allah Azza wa Jal va malgré tout lui donner une double récompense. Pourquoi ? La récompense d'avoir lu le Coran et la récompense de ne pas avoir cédé à son handicap de méconnaissance de la lecture. J'ai un handicap pour lire bien comme il le faut le Coran, mais malgré ça, j'essaie de surmonter cet handicap-là et j'essaie de fournir l'effort pour le lire. Et je l'ai vu moi personnellement, où parfois on a beaucoup de convertis qui, aujourd'hui, lorsqu'on les entend lire le Coran, on reste ébahi au niveau de la fluidité avec laquelle ils arrivent à le lire. Et ceci nous montre que Allah Azza wa Jal facilite l'acquisition du Coran à celui qui le cherche. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Le quatrième mérite, c'est que le Coran est une intercession pour ses lecteurs le jour du jugement. Et vous connaissez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, اِقْرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. Lisez le Coran, car il viendra le jour de la résurrection comme intercesseur pour les siens. Donc celui qui lit le Coran, qu'il sache qu'il est en train de préparer son avocat pour le lendemain, pour le jour du jugement. Cet avocat sera à tes côtés. Il sera là pour te défendre. Il sera là pour intercéder en ta faveur. An-Nawas ibn Sam'an dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, « Yu'ta yawm al-qiyamati bil-Qur'ani wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fi dunya » تتقدمه أو تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. Le jour de la résurrection, on fera venir le Coran et ses gens. Les savants disent les gens, c'est pas seulement forcément ceux qui l'ont appris par cœur, bien que l'apprentissage par cœur et la mémorisation par cœur c'est très très important, mais aussi ceux qui ont un contact sentimental avec ce Coran. Ils essaient de le lire, ils essaient de jamais s'en écarter, ils essaient de le comprendre. Ils participent aux assises où on essaie de l'expliquer, d'en faire l'exégèse. Donc tout cela fait de la personne ahlul lil Qur'an, quelqu'un là, une personne du Coran. Et donc cela, le jour du jugement, les gens là, qui le lisaient, qui essayaient de le méditer, qui le mettaient en pratique, ils viennent le jour du jugement et ils seront précédés par Sourate Al-Baqara et Al-Imran. Là, les savants ont beaucoup débattu sur cette question-là. Est-ce que là, on parle dans le sens métaphorique ou dans le sens réel ? Et plusieurs savants, la majorité des savants, disent on parle du sens réel. C'est que ces deux sourates-là vont être incarnées sous forme d'une création. On ne sait pas la nature de cette création et son identité. Et ils devanceront la personne comme s'ils sont au devant d'un cortège pour valoriser la personne qui est derrière elle. Et imaginez cette scène-là. Et ça, on le sait, plusieurs choses qui sont immatérielles, Allah Azza wa Jal les rendra matérielles le jour du jugement. À l'instar de la mort, lorsque Allah Azza wa Jal la présentera le jour du jugement sous forme d'un bélier, et il va dire aux gens du paradis comme aux gens de l'enfer, est-ce que vous reconnaissez celui-là? Ils vont dire oui, c'est la mort. On reconnaît ce bélier, c'est la mort. Donc ils vont reconnaître que c'est l'incarnation de la mort. Et ensuite Allah Azza wa Jal ordonnera à ce qu'on égorge ce bélier, et il va dire voilà, la mort là, elle a été égorgée, elle a été tuée, à jamais. Ce qui veut dire il n'y aura plus de mort. Donc soit une éternité dans le paradis, soit une éternité, ou l'ayyad billah, dans l'enfer, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Pour le hadith, « Ista yawm al-qiyamati bil-Qur'an wa ahlihi » Surat al-Baqara wa al-Imran. Nous sommes à l'aise, nous sommes à l'aise. Non, pour la mémorisation du Coran, l'apprentissage, on commence là où on veut, là où on souhaite, là où c'est le, là où c'est le,
Donc il pose la question, est-ce que cela veut dire qu'on ne doit donner de l'importance ou bien donner la priorité à l'apprentissage et à la mémorisation de ces deux grandes sourates? Tout dépend bien d'abord de la motivation de la personne, de ses capacités. Tout le monde n'a pas la capacité d'apprendre rapidement. Donc, mais c'est une question de méthodologie. Il y a ceux qui vont dire, moi je préfère commencer par les petites sourates parce que c'est, ça me donne du courage d'apprendre plus vite et ensuite je progresse pour aller vers les grandes. Il y a ceux qui disent, non, moi je, voilà, j'ai un courage qui est très très fort et là je commence par le haut. Donc peu importe, là-bas, ça c'est, ce genre de hadith sont là pour nous encourager à cela. Et quelqu'un qui a l'intention de faire quelque chose, même s'il n'arrive pas à y parvenir, Allah Azza wa Jalla le récompensera comme s'il a accompli cette chose. Donc c'est là où ça se pratique et ça s'applique sur ce genre de hadith. Donc les lire, les écouter à chaque fois, même les mettre dans la maison, ainsi de suite, fait de la personne une personne qui bénéficiera de ce genre de récompense le jour du jugement. Le cinquième mérite, c'est la récompense pour ceux qui l'apprennent et l'enseignent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cet égard dit « Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama ». Et là, vous imaginez, le khayriya, être meilleur par rapport aux autres, c'est s'occuper du Coran, soit par l'enseignement, soit par l'apprentissage. Donc ça peut être un projet de vie. Mon projet de vie, c'est d'apprendre le Coran jusqu'à la fin de ma vie. Et lorsque la mort viendra, je serai toujours en train d'apprendre. Mais je ferai partie de ces meilleurs. Même si je ne parviens pas à tout mémoriser ou à tout comprendre, je suis dans une série d'apprentissage, de compréhension. Et c'est pour ça qu'on dit, même lorsqu'il s'agit de l'ouird, les savants disent, l'ouird, c'est ce que tu lis chaque jour. Il y a différents types de l'ouird. Il y a ceux qui ont un ouird dans toute sa vie. L'ouird de toute sa vie, c'est de comprendre les détails relatifs à chaque verset coranique. Donc il est en train, a dit, c'est la compréhension. Où il y a le word de la récitation, où je vais lire une certaine partie du Coran tous les jours, où je vais essayer de terminer la lecture du Coran, par exemple en un mois ou la moins, ou bien j'essaye de parfaire la lecture en je ne sais pas combien d'années, ou bien j'essaye d'apprendre le Coran, peu importe combien d'années. Donc le word, il change selon la motivation de chacun et selon l'objectif que chacun veut atteindre. Mais on dit le grand wird, c'est celui de comprendre les détails relatifs au verset coranique depuis le début jusqu'à la fin. Et ça peut durer pendant toute une vie et on n'en termine pas. Et combien de grands savants ont commencé à rédiger une exégèse sur le Coran et jamais ils ne l'ont terminé. J'en prends pour preuve, pour exemple, Mohamed Abdurrahim Allah, dans son tafsir al-Manar, qui a été repris par son élève Rachid Reda, c'est une très belle exégèse, mais qui n'a jamais terminé. Mais son intention était de parachever ce travail, mais la mort était un obstacle. Mais ça n'empêche pas que ça reste une référence de laquelle plusieurs musulmans puisent énormément d'informations. Le sixième mérite, c'est la paix pour ceux qui l'étudient. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque des gens se rassemblent dans une demeure, comme aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui, dans une demeure d'Allah, et là aussi c'est pour motiver les gens, les inciter à apprendre dans la mosquée, et pour que la mosquée joue ce rôle-là d'apprentissage, d'enseignement, parce qu'on est dans le meilleur endroit sur terre, le meilleur territoire sur terre, qui est la demeure de Dieu. Lorsque des gens se rassemblent dans une demeure d'Allah pour y réciter son livre et pour l'étudier ensemble, donc ils vont bénéficier de quatre choses. Sakina, elle dit, c'est comme une quiétude de la part d'Allah Azzawajal qui descend sur eux. La miséricorde de Dieu les recouvre, les anges les entourent et Dieu les mentionne à ceux qui se trouvent auprès de lui. Ils les mentionnent auprès, ils vantent leur mérite auprès des anges. Et quel grand privilège que d'être cité nominativement auprès des anges, fil mala al-a'la. Tout ça parce que je suis venu, je me suis donné de la peine de venir dans une mosquée, de m'asseoir pour enseigner ou pour étudier le Coran ou pour juste participer à une assise où les gens parlent du Coran. Voilà. Rien que cela, donc, nous fait mériter autant de bénéfices qui vont se retentir sur notre vie familiale et même professionnelle. Et à ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Inna alladhi laysa fi jawfihi shay'un min al-Qur'ani kal-baytil kharib » Celui qui n'a rien du Coran dans son intérieur est comme une maison en ruine. Et donc là, ce hadith-là doit nous faire peur, c'est-à-dire ne rien avoir dans le cœur comme Coran,
c'est comme une maison en ruine. Et plus tu apprendras le Coran, plus cette maison quelque part sera mieux construite, mieux échafaudée et bien édifiée et plus solide. Le sixième mérite, c'est la protection lors des calamités. Et là, il y a un hadith qu'on rapporte, Imam Tirmidhi qui rapporte sur Ali ibn Abi Talib. Alors dans cette version-là, le hadith il remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais les spécialistes du hadith disent non, le hadith-là il est authentique jusqu'à Ali ibn Abi Talib, mais on ne peut pas le remonter au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il s'agirait plus de la parole de Ali ibn Abi Talib. Mais le hadith tel que Tirmidhi l'a rapporté, c'est que c'est Ali ibn Abi Talib qui a dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, il y aura des discordes aussi noires que la nuit obscure. Et Ali radiallahu anhu lui dit: comment en être sauvé, au messager de Dieu? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: le livre de Dieu. C'est-à-dire, si vous voulez être sauvé de ces calamités-là, tenez-vous au livre de Dieu. Le livre de Dieu, exalté et glorifié soit-il. Et après, il a commencé à expliquer ça. Mais c'est plus Ali qui a dit cette parole-là. Il contient les récits de ceux qui vous ont précédé et vous informe de ce qu'il y aura après vous. Il contient le jugement de vos affaires. C'est une parole décisive et non point une parole frivole. Quiconque le délaisse par tyrannie, Dieu le brisera. Et quiconque cherche la guidance en dehors de lui, Dieu l'égarera. C'est la corde ferme de Dieu. C'est sa lumière manifeste. C'est le sage rappel. C'est le chemin droit. En le suivant, on ne s'égare point avec les passions et les opinions ne divergent point, pas avec son jugement. Les savants ne s'en rassasissent jamais et les pieux ne s'en lassent jamais. Celui qui en a la connaissance devancera les autres. Celui qui l'applique sera récompensé. Celui qui juge par le Coran sera équitable. Celui qui s'y attache fermement sera guidé vers un chemin droit. Très très belle parole qui résume un petit peu ce que le Coran nous apporte comme avantage à plusieurs égards. Ensuite, le neuvième et le dernier mérite, parce que là, c'est vraiment que des flashs que je donne comme une belle exhortation avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que le Coran, c'est l'ornement et l'enjolivement de la foi. Selon Abu Moussa al-Ash'ari radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ce hadith-là, vous le connaissez toutes et tous, « مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب » L'image du croyant qui lit le Coran est celle de l'orange, son odeur est suave et sa saveur est suave. Donc là, c'est le croyant qui lit souvent le Coran. Quant à l'image du croyant qui ne lit pas le Coran, c'est comme celle de la date. Elle n'a pas d'odeur, mais elle a un bon goût. Elle est suave. L'image de l'hypocrite qui lit le Coran est celle de la plante aromatique, la raihana. Son odeur est bonne, mais son goût est amer. Et l'image de l'hypocrite qui ne lit pas le Coran, donc là c'est le comble, qui ne lit pas le Coran, c'est l'image de la colocante, la handala. Elle n'a pas d'odeur et son goût est amer. Donc à chacun de nous de choisir dans quel degré il veut se situer. Voilà. En tout cas, pas dans les deux derniers. Mais le mieux, c'est de vrai pour être dans le premier degré. Et donc, j'espère qu'avec ce petit rappel, on aura assez d'incitation pour qu'on s'intéresse à la lecture du Coran et avoir un programme pour la mémorisation de ce qu'on peut par rapport à notre travail, par rapport à nos occupations, par rapport à notre capacité de l'intégrer dans notre mémoire. Et ça, justement, si on sort avec ça, c'est-à-dire avec rien qu'avec ça, c'est qu'on a tout gagné de ce séminaire. Ce qui reste, c'est plus le côté technique pour répondre à certaines questions. Alors donc maintenant, je passe au deuxième chapitre. Et là, on va essayer d'expliquer ce qu'est Al-Ahruf Al-Sab'a, les sept variantes de récitation dans le texte coranique. Alors je vais vous laisser un peu dorénavant écrire tranquillement, prendre des notes.
parce que la première partie c'était plus exhortative. Maintenant je vous laisse un petit peu prendre les notes pour que vous puissiez y revenir en cas de besoin. Alors pourquoi parler de l'Ahruf Saba'a? Donc vous avez sûrement entendu dire qu'il y a plusieurs variantes du Coran. Et parfois cette vérité-là, on l'utilise un petit peu pour semer le doute dans l'esprit des musulmans eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui va revenir de plus en plus. On va dire, oui, mais il y a plusieurs variantes du Coran, il n'y a pas qu'un seul Coran. Le prophète lui-même dit que le Coran a été descendu selon plusieurs variantes. C'est quelle variante que vous êtes en train de lire et où sont les autres variantes? Donc, on va essayer de mieux comprendre la réponse à ces questions. Et je crois que ça, c'est mon opinion concernant plusieurs sujets techniques de la religion musulmane. On a besoin de, aujourd'hui plus que jamais, de les assimiler, de bien les assimiler, parce que le combat contre l'islam dans les années à venir va s'orienter sur un combat idéologique. C'est un combat idéologique. Et on est en train de préparer toute une armée justement pour ce combat-là, qui a une certaine formation bien préparée, avec des objectifs bien dressés, et avec une lecture dévoyée de ce qu'est la réalité des textes. Et le but justement, c'est de semer le doute dans l'esprit des musulmans sincères. Et c'est pour cela que nous devons nous immuniser par une bonne connaissance de notre religion, à travers les théologiens, pas les islamologues. Et il y a une grande différence aujourd'hui dans les nomenclatures, il faut faire très attention. Avec des théologiens et pas des islamologues. Parce qu'on est en train de former un bataillon de ce qu'on appelle les islamologues, qui le but n'est pas forcément de s'imprégner de la religion, de la comprendre, mais de trouver, beaucoup d'entre eux, ce qu'on appelait autrefois les orientalistes, maintenant on leur donne une autre nomenclature, puisque orientaliste, maintenant tout le monde sait que ce terme-là a une connotation péjorative chez les musulmans, donc on essaie de donner un nouveau terme qui passerait mieux dans l'oreille de celui qui l'entend. Mais les musulmans, donc, il faut que les savants, les imams et tout ça, quand ils entrent dans une entreprise pour contrecarrer justement cette action-là et préparer la jeunesse à ne pas céder aux doutes qu'on va essayer de semer dans leur esprit, à savoir répondre à certaines questions, à de mieux comprendre certains sujets comme celui qu'on va traiter aujourd'hui, Inch'Allah. Alors, je vais d'abord citer quelques textes fondateurs très importants à connaître concernant la question de l'Ahruf al-Saba, des sept variantes. Pour parler de ce sujet-là, donc on a des textes, on a des hadiths, et là je vais les citer d'une manière exhaustive. Et ce sont ces hadiths qui vont nous introduire ce qu'est l'Ahruf al-Saba pour essayer de comprendre. Et vous allez voir qu'en prenant ces textes-là, nous-mêmes, on ne peut pas être certain à 100% de leur donner telle explication ou telle autre explication. C'est pour ça que les savants ont divergé. Mais toujours est-il que même les divergences qu'on va voir respectent l'esprit de l'islam et sont toujours des explications qui ne sont pas là pour semer le doute, loin de là, mais pour comprendre en bon sens pourquoi on parle de cette variante de lecture, pourquoi il y a eu cette variante de lecture. Alors le premier texte, la première citation, c'est un hadith rapporté sur Ibn Abbas radiyallahu anhu, qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aqra'ani jibrilu ala harfin faraja'tuhu thumma falam azal astaziduhu وَيَزِيدُنِي حَتَّ انْتَهَا إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ. Jibril, donc c'est le prophète Azam qui parle, Jibril m'a lu le Coran selon un harf. Alors le harf, on va le traduire maintenant par variante. Jibril m'a lu le Coran selon une variante. Je n'ai cessé de lui demander de m'en rajouter et il le fit jusqu'à ce qu'il arriva à cette variante. Le hadith là est authentique, il est rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc pas de doute sur l'authenticité de ce hadith.
Chikas, il a quand chikas. Barakla, c'est bon. Barakla, zakla. Donc déjà là, c'est le prophète Sarasm lui-même qui introduit cette notion-là, qu'il a reçu cette variante du Coran, et que c'est Jibril, alayhi salam, donc ce n'est pas un effort personnel du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc ça reste toujours dans le cadre de la révélation, ça vient de la part de Allah tabaraka wa ta'ala à travers Jibril, alayhi salam. Le sens de variant. Oui, on va y venir justement d'abord. Sa dimension. Oui, oui, je comprends. Moi, chacun sa méthode. Ouais. Moi, ma méthode maintenant, j'expose. D'accord, comme vous ne savez rien maintenant. On va vous exposer les textes fondateurs, les hadiths, et après on va les comprendre. D'accord, c'est ça le but. D'abord, si je vous expose ce hadith, je ne vous l'explique pas. Vous restez dans le flou. Voilà. Et donc, il y aura certains qui vont vous exposer ça, et après, ils vont semer le trouble dans votre esprit. Donc déjà, et toujours, lorsqu'on veut aborder un sujet bien particulier, on expose tous les textes scripturaires qui concernent ce sujet. On les met à table, et après, les uns vont expliquer les autres. Et après, on en fait une idée globale et générale. Donc, je vais y venir, ne vous inquiétez pas. La deuxième citation, donc ça, c'est le premier hadith. La deuxième citation, c'est un hadith rapporté sur Ubay ibn Ka'b, qui dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était à côté de l'étang de Banu Rifar. L'étang, ce qu'on appelle en arabe Ada'a, ou Ada'a, l'alif ou da' ou l'alif ou ta'. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inda Ada'ati Bani Rifar. Donc un étang, on appelle Ada'a. En Darija, on dit Da'ya. En arabe littéral, c'est l'Ada'a. Ada'at, ta' marbota. C'est alors que Jibril alayhi salam vint lui dire. Donc le prophète Asma était à côté de cet étang, et Jibril est venu le voir. Et il lui dit: Allah ordonne à ce que ta communauté lise le Coran selon une variante. Inna Allah ya'muruka an tuqri'a ummataka al-Qur'ana ala harf. Inna Allah ya'muruka an tuqri'a ummataka al-Qur'ana ala harf. Donc Allah ordonne à ce que ta communauté lise, ou à ce que tu lises à ta communauté le Coran selon une variante. Donc là, je traduis harf par variante. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: As'alullaha mu'afatihi wa maghfiratah. Je demande à Allah sa bénédiction et son pardon. Il y a parmi ma communauté ceux qui ne supporteraient pas ceci. Donc là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle. Il lui dit au Jibril, c'est difficile que toute ma communauté lise le Coran selon une seule variante. Ça va être difficile pour eux. Il y a certains qui ne pourront pas se contenter d'une seule variante. Inna ummati la tutiqu dhalik. Jibril est venu le voir une deuxième fois. Et il lui a dit: Allah ordonne à ta communauté de lire le Coran selon deux variantes. Ou que tu lises le Coran à ta communauté selon deux variantes. Inna Allah ya'muruka an tuqri'a ou taqra al-Qur'an ala ummatika bi harfain. Donc là, c'est Jibril qui le dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La même chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu exactement la même chose. Il a dit: je demande à Allah sa bénédiction et son pardon. Il y a parmi ma communauté ceux qui ne supporteraient pas ceci. On va comprendre dans un autre hadith ce que voulait dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il vint le voir une troisième fois. Et lui dit: Allah ordonne à ce que ta communauté lise le Coran selon trois variantes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: je demande à Allah sa bénédiction et son pardon. Regardez le respect déjà, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas, il va protester tout de suite, mais c'est pas possible, non.
je demande à Allah sa bénédiction et son pardon, il y a parmi ma communauté ceux qui ne supporteraient pas ceci. Et ça, ça vous montre. Donc regardez, donc, moi je suis sûr que maintenant que je vous écris toujours la même chose, certains parmi vous, ils vont finir par faire deux petits traits comme ça, n'est-ce pas? Il y a certains qui ont commencé ou pas encore? Et ni, oui, voilà, c'est la même chose, voilà, c'est, on ne va pas réécrire tout ça. Si le professeur avait la même logique, il serait arrêté là. N'est-ce pas? Il serait arrêté, il va dire, oh, c'est trop, je ne vais pas redire la même chose. C'est exactement ce qu'il a fait lorsque Allah Azza wa Jalla lui a prescrit 50 prières. Et à chaque fois qu'il revenait chez, il rencontrait, il croisait Moïse dans sa descente, Moïse lui dit, non, reviens à Dieu, dis-lui de diminuer. Il revenait et il lui a diminué à 45. Ensuite, il lui a dit, non, reviens, dis-lui de diminuer à 40. Et pas une fois, en répétant ce hadith-là, j'ai commencé à le répéter de A à Z. Et les gens, tout le monde s'est arrêté d'écrire. Je lui dis, pourquoi vous êtes arrêté d'écrire? Ça y est, ça, on l'a compris, ça, c'est bon. C'est comme si je désespère d'écrire tout ça. Pour écrire ça, on a désespéré. Le professeur Asmi, il revenait à chaque fois demander d'alléger encore plus. Et il revenait une deuxième, une troisième, jusqu'à cinq prières. Après, il a dit, ben là je ne peux plus. Et ça vous montre l'amour que portait le professeur Asmi à sa communauté et comment il voulait leur alléger et la charge. Et leur faciliter la tâche. Donc là, pareil, ils considéraient qu'une lecture, deux lectures, trois variantes, une variante, deux variantes, trois variantes n'étaient pas suffisantes. Lui, il voulait que tout le monde puisse en profiter avec le maximum de variantes possibles. Il vint le voir une quatrième fois. Là, vous pouvez mettre maintenant les pointillés. Une quatrième fois, il lui dit, Allah ordonne à ce que ta communauté lise le Coran selon cette variante. Donc à cette fois-ci-là, là, il est monté à cette variante. Quelle que soit celle qu'ils liront, ils auront raison. Quelle que soit celle qu'ils liront, ils auront raison. Troisième citation. Donc c'est celle de Omar ibn Khattab radiallahu anhu qui raconte. Il dit un jour, lors du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'entendis Hisham ibn Hakim ibn Hizam. Hisham ibn Hakim ibn Hizam réciter surat al-Furqan. Alors que j'écoutais attentivement sa récitation, je m'aperçus qu'il la faisait avec certaines lettres, et un certain huruf, autre que celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'avait enseigné. Lorsqu'ici il dit huruf, ça ne veut pas dire avec des lettres de français ou de latin ou le chahaja. Huruf, ça veut dire une autre variante. C'est-à-dire, au lieu de dire un mot, il dit un autre mot. Il dit un autre synonyme. Au lieu, par exemple, qu'il y ait wa, il enlève le wa. Vous voyez, on verra ça plus tard. C'est ça le but, c'est de comprendre de quoi il s'agit. Donc il dit, alors que j'écoutais attentivement sa récitation, je m'aperçois qu'il lisait avec certaines lettres autres que celles que le prophète m'avait enseignées. Ça veut dire que moi, cette sourate de l'Furqan, je l'avais apprise du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une manière. Et là, Hisham ibn Hakim, il lisait d'une autre manière. Donc forcément, Omar ibn Khattab, il va considérer que Hisham se trompait. Se tromper où il n'avait pas bien mémorisé cette sourate. Donc c'est ce qu'il va dire. Il a dit, j'étais sur le point de l'interpeller pendant sa prière. Et je voulais quelque part le corriger dans la prière, quitte à le déranger, quitte à stopper sa prière. Mais je me retins et attendis qu'il la termine. Je le pris alors par son vêtement. Donc imaginez Omar ibn Khattab, vous connaissez un petit peu Omar ibn Khattab. Donc, dès qu'il a terminé, comme on dit chez nous, il est parti, il a pris par ses vêtements. Parce que pour lui, il a commis un grand crime. C'est quoi cette récitation-là? La parole de Dieu, tu la récites autrement que le professeur Asm l'a enseigné. Et donc, il lui a dit, qui donc t'a enseigné ainsi la sourate que je t'ai entendu réciter? Donc là, il avait un doute sur ce que faisait Hisham. Alors Hisham radiallahu anhu a dit, c'est le prophète, c'est lui qui m'a appris comme ça. Il lui a dit, tu mens, kadabt, lui répliquai-je, car il me l'a enseigné avec des lettres différentes que certaines de celles dont tu viens de réciter. Donc déjà lorsqu'on dit lettres, ça ne veut pas dire une lettre d'une autre langue, ça veut dire avec des variantes.
C'est pas comme ça que le prophète me l'a récité. Donc tu es en train de mentir. Parce que dans l'esprit de Omar ibn Khattab, le prophète ne peut enseigner le Coran que d'une seule manière. Donc comment se fait-il? Moi, il m'a enseigné d'une manière, cette sourate, et toi, tu prétends qu'il te l'a enseigné d'une autre manière. C'est pas possible. Moi, je suis sûr de ce que je dis, et je suis sûr de ce que j'ai mémorisé, et je suis sûr que j'ai rencontré le prophète. Donc c'est toi qui as tort, donc tu es un menteur. Je l'emmenai alors auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, auprès de qui j'exposais le problème. Donc il a dit, j'ai entendu cet homme réciter Sourate Al-Furqan avec certaines lettres autres que celles que tu m'as enseignées. Lâche-le, me dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire quoi, lâche-le? Ça veut dire qu'il le tenait encore. Imaginez. Alors, il l'a vu en train de prier. Il l'a pris par ses vêtements. Il lui a dit, c'est quoi cette lecture? Il lui a dit, c'est le prophète qui me l'a apprise. Il lui a dit, tu mens. Et il a dit, je l'ai ramené au prophète. Ça veut dire, pendant tout ce chemin-là, il ne le tenait pas. Et c'est comme s'il a pris un voleur qui va se fuir. Et vous imaginez, Omar ibn Khattab, parce que c'est pas possible qu'il y ait un problème qui s'infiltre dans le. C'est pour ça ceux qui disent oui, le Coran, le hadith chez vous, il a changé au cours de route. Non. Et ce hadith-là nous montre la sévérité des compagnons dans la transmission des textes scripturaux, qu'il s'agisse du Coran ou du hadith du prophète. C'est pas possible que les compagnons puissent laisser passer un hadith forgé sur le prophète Sahas, mais c'est pas possible. Et ce qui est vrai pour les compagnons, il est vrai pour les successeurs, et ainsi de suite. Et c'est pour cela, jusqu'à ce qu'il y ait des savants qui ont mis au point toute une science pour authentifier les récits. Mais dans le Coran, il n'y a pas eu ce problème, comme on le verra tout à l'heure. Le Coran, il a été transmis d'une manière notoire, sans aucun doute, depuis le prophète Sahas jusqu'à nous. Pour le hadith, il y a autre chose, ça peut être qu'on aura une autre fois l'occasion de parler du hadith et comment il a été transmis. Mais s'agissant du Coran, donc déjà vous voyez là la réaction d'un des compagnons par rapport à quelqu'un qui a lu le Coran autrement qu'ils l'ont entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lâche-le. Donc ça vous montre le pauvre Hicham, ce qu'il subissait de Omar ibn Khattab. Puis se tournant vers Hicham, il lui dit, regardez Abtani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sagesse avec laquelle il va enseigner. Donc il lui dit, récite Hicham. Il lui dit, récite Hicham. Donc on m'a dit, Hicham récita alors la sourate de la même manière qu'il avait fait auparavant. Donc il n'a pas rectifié, de la même manière. Donc là, Omar, il était rassuré, ça y est, ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va le critiquer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, ainsi cette sourate a été descendue. C'est ainsi que cette sourate a été descendue. Il est de la même manière que tu l'as lu, Hicham. Puis il me dit, récite, toi Omar, Iqra ya Omar. Donc c'est à toi maintenant de réciter. Je le fis alors selon la façon que lui-même m'avait enseigné. Donc j'ai récité Sourate Al-Furqan, mais avec la version que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a enseignée. Il dit également, ainsi cette sourate a été descendue. Donc il y a un problème. Il a dit à Hicham, ainsi cette sourate a été descendue. Il a dit à Omar, c'est ainsi que cette sourate a été descendue, avec deux lectures différentes, avec des variantes. Dans les lettres ou dans les mots, on verra ça plus tard. On va. C'est ça le but. Je sais que vous êtes curieux de savoir les détails, mais on a tout notre temps. On va aller doucement. Et c'est ça le but, c'est cet intérêt, c'est créer cet intérêt, cette curiosité. Parce que tout de suite, on est choqué. Si on ne connaît pas ça, on est choqué. On dit, mais attends, il y a quelque chose de grave. Là, ce qu'on sait, c'est que le Coran qu'on a, il est partout pareil. Tout. C'est ça le but d'étudier justement ce. Et là, une fois on va comprendre ça, personne ne peut nous soumettre le doute sur ce genre de hadith. Parce que là, on parle de hadith authentique. Hada, il a été rapporté par exemple par Al-Bukhari. Puis il dit, le prophète Hassan dit à la fin, ce Coran a été descendu avec 7 ahruf. Qad unzila hadha al-Qur'an 'ala sab'ati ahruf. Récitez donc celle qui est facile pour vous. Récitez celle qui est le plus facile pour vous. Faqra'u aysaraha lakum. Et le hadith là, comme j'ai dit donc, est authentique, rapporté sur
Al-Bukhari. Donc c'est même le prophète qui nous informe que le Coran a été descendu selon cette variante, ce qu'on appelle Ahruf. Je pense, juste si me permet, je pense que c'est la traduction par la variante qui pose problème. Pas par rapport, parce que lorsqu'on parle de Ahruf, peut-être c'est une variante, mais par rapport uniquement aux lettres. Si on prend une variante dans le français, c'est vraiment quelque chose qui s'éloigne un peu de. Comme il y a d'autres options en fait. Je dirais, c'est-à-dire la variante, pense. Peut-être c'est quelque chose qui est rattaché plus à des différences dans les lettres. On reste toujours dans les lettres, c'est pas des versets ou des. Non, pas forcément dans les lettres, ça peut être dans les mots. Oui, une lettre. Ça peut être un mot. Je pense qu'avec des exemples qui vont venir par la suite. Voilà, justement. Non, mais moi je suis rassuré. C'est légitime, ces questions-là sont légitimes. Voilà. J'aurais pu garder Ahruf. D'abord, on va dire Ahruf. D'abord, la traduction pour vous faciliter la compréhension. Mais on va rester sur Ahruf. D'abord, c'est quoi la signification d'Ahruf? Quelle est la traduction la plus appropriée à donner? Si on dit sur cette lettre, on ne comprendra pas non plus ce que veut dire lettre. Mais ça reste variante. C'est variante, comme on va le voir. Parce que si on dit sur cette lettre, c'est comme si toute l'arabe se base sur cette lettre. Question, si peut-être que c'est aussi un peu prématuré, mais est-ce que les sept variantes, elles ont un rapport avec les sept tribus arabes? On va venir à ça. D'accord. Voilà. On expose les textes. Après, on va venir à la compréhension des textes. Objectif réussi, hein, t'as créé. Ah ouais, c'est ça le but. C'est ça le but. Voilà. Déjà, on a les textes et après, et là, vous allez comprendre pourquoi les savants ont divergé. Donc, toi, tu as donné un avis. Mais il y aura certains qui vont donner un autre avis. Donc on va voir comment les savants ont traité ces textes. Parce que ce qui... Je ne vais pas devancer. Alors, quatrième citation. Ubay ibn Ka'b rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré Jibril. Il lui dit « Ô Jibril, inni bu'ithtu ila ummatin ummiyin » منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط قال يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف وفي رواية ليس منها إلا شاف كاف أو جبريل j'ai été envoyé à une communauté d'analphabètes. Parmi eux, il y a la femme âgée, l'homme âgé, le garçon, la fille et l'homme qui n'a jamais lu un livre. Il dit, donc Jibril dit, « Ô Mohammed, le Coran a été descendu selon cette variante. » Et dans la version, c'est le même hadith, mais dans la version de Abu Daoud, « Chacune de ces variantes est bonne et suffisante. » Donc là, on commence à comprendre un peu plus. C'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'autre hadith, il lui disait « Rajoute-moi une version, rajoute-moi, ma communauté ne supporterait pas, rajoute-moi. » C'est que ce qu'il sous-entendait, c'est que dans ma communauté, il y a des gens qui ne vont pas assimiler une seule version. Parce qu'il y a les enfants, il y a ceux qui n'ont jamais lu et tout ça. Si je lui donne seulement une seule version, si je leur donne seulement une seule version, il y a parmi des individus de la communauté qui ne vont peut-être pas comprendre une version ou certaines choses dans cette version. Et c'est là où Jibril l'a rassuré. Il lui a dit, le Coran a été descendu sur cette variante. Donc ils peuvent lire celle qui les arrange, celle qu'ils assimileront plus. Et ça sera suffisant et leur lecture sera bonne. Il n'y a pas de problème. Alors, ça c'est les textes fondateurs. Après, il y a d'autres textes qui vont confirmer que le Coran a été descendu sur cette version, sans pour autant rentrer dans les détails comme ça a été fait dans ces quatre hadiths. Ibn al-Jazari, rahimahullah, et on reviendra à cet homme-là assez souvent, parce que c'est une très très grande référence dans le domaine de l'Qira'at, des lectures coraniques, et il est mort en 833 de l'Hégire. Il dit... وقد تتبعت طرق هذا الحديث في جزء مفرد جمعته في ذلك فرويناه من حديث عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم بن حزام وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب وعبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري وحذيفة بن اليمان وأبي بكر وعمر بن العاص وزيد بن أرقم وأنس بن مالك وسمرة بن جندب وعمر بن أبي سلمة وأبي جام الله وأمي أيوب رضي الله عنهم
Umm Ayyub al-Ansariya. Donc Ibn Jazari dit, j'ai recueilli les différentes versions qui parlent de ce sujet dans un volume, il a écrit un livre à part, dans un volume à part, regroupant les hadiths de Omar ibn al-Khattab, Hisham ibn Hakim, Abdurrahman ibn Auf, etc., ce que j'ai cité là tout de suite. Donc ce qui montre que c'est quelque chose qui a été rapporté d'une manière notoire, mutawatira, d'une manière notoire. Tellement de compagnons qui l'ont répété et rapporté qu'on ne peut avoir de doute sur ce qu'on est en train de dire. Le Coran a été révélé selon cette variante. Et celui qui l'a révélé, c'est Allah Azza wa Jalla. Et celui qui a transmis la révélation de Dieu, c'est Jibril alayhi salam. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait aucune intervention dans ces variantes-là. C'est ainsi qu'ils ont été descendus de chez Allah Azza wa Jalla, depuis Allah Azza jusqu'à le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il n'a pas intervenu là-dessus. Adalisa jihad al-min. Fawa amrun tawqifi. C'est Allah Azza wa Jalla qui l'a mis, donc il n'y a aucun jihad ou effort personnel d'un être humain dessus, ni d'un ange dessus. Ça, c'est venu de Allah Azza wa Jalla comme ça. Après, plusieurs questions vont se poser. Et est-ce que c'est ce qu'on a aujourd'hui? Est-ce que les sept lettres sont aujourd'hui là? Ça, on verra après. Le passage là, il a été repris dans son livre dont on parlera plus tard, An-Nashr fil Qira'at al-Ashr, où il parle des 10 lectures du Coran. Alors maintenant, une question se pose après ce qu'on a entendu. Donc les questions que vous avez posées, on va commencer à les poser une par une. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont-ils expliqué ce que sont les variantes du Coran? Est-ce qu'on a des textes qui expliquent ce que sont ces variantes? Des exemples comme ça, ça m'a été demandé. Alors, Ibn al-Arabi, al-Ma'afir, rahimahullah, Ada, c'est un très grand savant andalou qui est décédé au Maroc, où une des très grandes références dans le Madhhab al-Maliki. Il ne faut pas le... Enfin, il y a un homonyme avec Ibn al-Arabi. Sauf que les savants, pour les distinguer les deux, Ibn al-Arabi, le Sufi, ils l'ont mis dans Nakira. Son nom, ils l'ont rendu Nakira, non déterminé. C'est pour ça qu'ils l'appellent Ibn al-Arabi. Ils ont enlevé l'alif ul-lam, Ibn al-Arabi. Et celui-là, ils ont gardé le déterminant de l'al, Ibn al-Arabi. Donc lorsque vous entendez Ibn al-Arabi, c'est le faqih, c'est le jurisconsulte. Lorsque vous entendez Ibn al-Arabi, c'est le Sufi. Donc c'est comme ça qu'on a distingué entre les deux. Mais il y a Ibn al-Arabi, al-Ma'afiri, al-Maliki. Ils ont vécu presque dans la même date. Ils sont presque dans la même époque. Donc Ibn al-Arabi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il n'y a pas de texte ou de récit qui explique la signification de ces variantes. Et c'est pour ça que les gens ont divergé quant à leur détermination. Voilà. On n'a pas un récit où le professeur Asma a expliqué d'une manière très détaillée ce que ça veut dire les variantes. Ou les compagnons nous expliquent eux-mêmes ça veut dire quoi ces variantes. Donc forcément, toutes les interprétations qui vont venir, toi tu as donné une explication tout de suite, certains vont donner une autre, et c'est là où on va maintenant passer en revue toutes les explications, les interprétations qui ont été données et voir quelle est celle qui est la plus raisonnable. Si le professeur Asma l'avait expliqué, on n'aurait pas de problème. N'est-ce pas? Ou un compagnon l'avait expliqué, on n'aurait pas de problème. Mais puisqu'on n'a pas une explication à travers un récit prophétique ou d'un compagnon, donc forcément, là, c'est l'effort intellectuel des savants qui va primer pour interpréter ces textes. Ça veut dire qu'en fonction de la variante qu'on choisit pour lire, ça, le texte a une signification différente? On va venir tout ça. On va venir tout ça. Alors, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ni ses compagnons n'ont expliqué la signification de ça, c'est pour deux raisons. Il n'y en a pas une troisième. La première, soit le sens de ces variantes n'était pas très clair pour eux. Voilà, si tu n'as pas expliqué quelque chose, peut-être tu n'as pas comprise. Donc, soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons n'ont pas compris eux-mêmes le sens, donc c'est pour cela que. Et celui qui n'a pas compris, il ne peut pas expliquer aux autres. Il est donc lu avec ces variantes sans chercher à en comprendre le sens. Ils ont lu les différentes variantes, mais sans chercher le sens. Le problème, c'est que cette raison ne peut être valable.
puisque l'objectif de la révélation des sept variantes était d'alléger et de faciliter la tâche aux musulmans de l'époque, comme l'a dit un des hadiths qu'on a cité. Ceci ne pouvait se réaliser sans que ces derniers ne puissent comprendre le sens des variantes. Là, à exclure cette possibilité. Ça, c'est la première hypothèse, c'est pas possible. Que le prophète ne comprenait pas, les compagnons ne comprenaient pas. Dans ce cas, c'est absurde que le prophète dise à Jibril, j'ai des vieillards, des gens qui n'ont jamais lu, des enfants et tout ça. Donc il lui a dit, ben, rassure-toi, il y a cette variante. Donc là, le prophète, lorsqu'il lui a dit, rassure-toi, il y a cette variante, donc le prophète, c'est-à-dire, je réponds à ta sollicitation. Dieu a répondu à ta sollicitation. Et le prophète, donc, par sa sollicitation, il savait ce qu'il cherchait. Il demandait quelque chose à Dieu. Donc, lorsque Dieu a répondu à sa demande, donc, le prophète comprenait très bien ce que sont les variantes. Et les compagnons le comprenaient très bien. Donc, cette possibilité-là est à exclure. D'accord ? Il y a peut-être une question en ligne de la sœur. Qu'il ne faut pas peut-être pas retarder plus tard. Non. À quel moment ça s'est passé, à quel moment de la révélation du Coran ça s'est passé? C'est ça? Parce que... Les variantes? Enfin, ce dialogue, en fait, de variantes, il y a, etc. Ça existait depuis le début. J'ai pas compris tout à l'heure, dans la quatrième citation, pourquoi la phrase, elle était au passé? Pourquoi Jibril, l'excellent, il dit au prophète, c'est pas variant? Il a été Hadith, c'est une utilisation de l'arabe. L'arabe, lorsqu'on utilise parfois certaines choses qui sont dans le futur, et on peut les mentionner dans le passé. Ça, c'est pour manifester la certitude. Hein? Ceux qui ont cru ont été rentrés dans le paradis. Le paradis n'a pas encore été jugé pour entrer au paradis. Mais Dieu, il en parle comme si, dans le passé, comme si ça a été fait, c'est pour traduire la certitude. D'accord? Donc le Coran a été, c'est-à-dire Dieu a décidé de descendre le Coran sur cette variante. Donc rassure-toi, tu auras la réponse à ta question. Alors deuxième possibilité, le sens de ces variantes était tellement clair dans leur esprit qu'ils n'ont pas eu besoin de l'expliquer. Donc là, c'est la deuxième possibilité. Et c'est l'évidence, on n'explique pas l'évidence. D'accord? Donc c'était dans l'esprit du prophète et des compagnons quelque chose d'évident. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas besoin de l'expliquer à qui que ce soit. Et donc l'affaire est restée comme ça. D'accord? Donc le problème se pose plutôt chez nous. Et là, le problème n'existe pas chez les compagnons. Mais ils comprenaient de quoi il s'agit. C'est nous maintenant peut-être qu'on n'a pas compris. Donc c'est là où on va essayer de voir qu'est-ce que le prophète et ses compagnons avaient compris de ces variantes. Houma, on va voir que parce qu'eux, ils ont vécu à l'époque et qu'il y avait ces variantes, donc on pouvait comprendre. Mais maintenant, nous, puisqu'on n'a pas ces variantes-là, et on a une seule variante avec laquelle nous sommes en train de lire, alors je dis variante-là, ça ne veut pas dire ahro forcément, on va voir ça. Et il se peut qu'il y ait les variantes dans le Coran qu'on est en train de lire, mais pas toutes. Et ça, on va le comprendre au fur et à mesure. Il faut aller dans la logique doucement pour que vous compreniez la complexité de la chose. Alors, première chose que vous devez enlever de votre esprit, c'est qu'il n'y a pas de parallèle à faire entre les sept variantes du Coran et les sept lectures du Coran. Vous entendez parler de l'Qira'at Saba, n'est-ce pas? Qira'at Saba, Qira'at Saba. Hadou, ça n'a rien à voir avec les variantes. L'Ahruf Saba, Qira'at Saba, c'est deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Même si certains, comme on le verra, ont dit oui, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Et donc, la concordance du chiffre 7 est un simple hasard. Voilà, c'est un simple hasard qu'il y ait 7 lectures et qu'on parle de 7 lettres. Mais ce sont deux choses différentes. On va les expliquer après. Dans le Coran, il n'y a pas de référence par rapport à cette variante. Dans le Coran, il n'y a pas de référence par rapport à cette variante. Ah, il y a un verset coranique qui fait référence à ça? Non, non, non. Plus dans le hadith. Et d'ailleurs, c'est à cause de cette conclusion que plusieurs savants ont reproché à Ibn Mujahid, rahimahullah, de s'être contenté de valider cette lecture coranique au lieu de choisir un nombre supérieur ou inférieur pour ne pas semer le doute dans l'esprit des musulmans. Ibn Mujahid, on va revenir à ça lorsqu'on va parler de l'histoire des lectures. Ibn Mujahid, Ada, c'était lui qui a validé les sept lectures. Lorsqu'on parle de Qira'at Saba,
le premier à avoir validé les sept lectures pour dire que ce sont des lectures mutawatira, notoires, c'était Ibn Mujahid. Lui, donc, lorsqu'il a validé, sept lectures. D'accord ? Et donc, le chiffre 7 est tombé pareil que les 7 ahruf. Et donc, les savants lui ont dit, tu nous as semé un peu le doute et l'amalgame. Valait mieux valider 6 ou 7 ou 8 8, plus pour que déjà on fasse la distinction entre le chiffre 7 ne pose pas de problème. Ce n'est qu'après qu'un autre savant qu'on verra tout à l'heure a validé d'autres lectures et on est passé de 7 lectures notoires à combien ? 10. À 10. Donc là, l'ambiguïté, elle a été levée. D'accord ? Le chiffre 7 lectures notoires, alors c'est une question chronologique. Au départ, on en a validé 7. Et après, il y a un autre savant, plusieurs années après, plusieurs siècles même après, qui a validé 3 de plus. Donc maintenant, on parle de 10 lectures notoires, qara'at l'ashr. Mais chronologiquement parlant, pendant une longue période, presque 400 ans, on ne parlait que de 7 lectures notoires. Il y en a 3 qui ont été rajoutées. Ça ne veut pas dire que ces 3-là n'existaient pas. Non, elles étaient là, des gens les lisaient. Mais les savants ne les ont pas validées en tant que notoires. C'est comme les ahadiths. Tu as des hadiths par exemple, ça c'est des hadiths, quand un savant est venu, il a dit, Bukhari par exemple, il a dit ces hadiths là sont authentiques. Donc c'est ce que j'ai authentifié, moi les hadiths que j'ai authentifié. Après, plus tard, c'est comme si plus tard, quelqu'un d'autre est venu, moi je vous donne un exemple, ce n'est pas la réalité comme ça. Comme par exemple l'imam al-Hakim Nisaburi, il est venu, il a écrit un livre qu'il a appelé le Mustadrak. Le Mustadrak ça veut dire je rattrape. Hein, quelques hadiths, je vais les authentifier pour rattraper ce que le Bukhari et Muslim n'ont pas fait. C'est pour ça qu'il a appelé Moussadrak. Donc je vais rajouter d'autres hadiths authentiques à ce que le Bukhari et Muslim ont fait. Donc c'était comme ça, chronologiquement parlant, on a validé 7. D'après, on a validé 3 qu'on a rajouté à ces 7-là et on en a maintenant 10. Mais au départ, lorsqu'on parlait 7 lectures, 7 lectures, 7 lectures, et on a entendu parler de 7 ahruf, là, l'amalgame s'est fait. Certains ont dit les 7 ahruf, c'est les 7 lectures. Et on sort du problème. Non, c'est pas ça. Bien qu'il peut y avoir une intersection entre les deux, comme on verra plus tard. Maintenant, le troisième point. On va rentrer dans le détail. Maintenant, la définition des 7 variantes et la divergence des savants. Et quelles sont les différentes interprétations que les savants ont données aux 7 lettres du Coran, 7 variantes du Coran. Alors, certains imams comme Al-Qurtubi, Al-Qurtubi c'est un imam maliki, comme son nom l'indique, de Cordoue, Qurtuba. Parmi ces livres, il y a un livre d'exégèse, Ahkam al-Qur'an, dans lequel il a mis le point surtout sur les décrets religieux qu'on extrait ou qu'on déduit du texte coranique. Il y a l'imam Suyuti aussi, égyptien, et d'autres ont cité une quarantaine d'avis de savants quant à la définition des variantes du Coran. Donc vous voyez les divergences jusqu'où on est arrivé pour essayer d'expliquer, parce que comme on n'a pas ce sur quoi on peut s'appuyer, donc chacun a donné une explication. Eux, ils ont rassemblé tous les avis des savants et ils ont dénombré 40 avis. 40 avis. Bien entendu, je ne vais pas les citer tous, sinon on ne terminera pas ni aujourd'hui ni demain. Donc je vais citer seulement les avis les plus marquants et les plus probables, et les plus valides quelque part, ou les plus probants, voilà, pour être plus précis. Alors, le premier avis, c'est l'avis de Ibn Sa'dan, Nahwi, parce que c'était un muqri, et en même temps il était un spécialiste de la langue, et au cours d'histoire c'était plus, on va trouver que les grands lecteurs étaient en même temps des grands spécialistes littéraires de la littérature arabe, de Nahwi. Donc Ibn Sa'dan, on l'appelle Nahwi le grammatical, qui est mort en 231 de l'Hijr. Alors qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit ce sujet fait partie de ce qui ne peut pas être connu, car le terme harf est polysémique. Le terme harf, c'est pour ça que nous l'a traduit par variante. Mais le harf, ça a plusieurs significations. C'est un mot polysémique, donc c'est difficile de comprendre le sens. Donc c'est pour ça que lui, bon, il a dit, c'est pas la peine de chercher. On ne saura pas. Donc on s'arrête là. C'est un sujet clos et on rentre pas là-dedans. Ce qui compte, c'est que nous avons un Coran qu'on lit et qui est valide sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam à 100%.
et on a plusieurs lectures qui ont été valides, d'autres qui ne le sont pas, mais on s'arrête là. Alors, bien entendu, cet avis-là, on ne peut pas l'accepter, parce qu'il ne satisfait pas, en tout cas, notre curiosité. Donc, il y a une objection à formuler. C'est de dire, dès lors que les compagnons ont utilisé la dérogation de lire avec les sept variantes, c'est qu'ils en savaient le sens. Donc, dire que ça n'a pas de sens, qu'on ne peut pas comprendre, non, les compagnons comprenaient. Et Omar ibn Khattab, lorsqu'il a ramené avec lui Hisham ibn Hakim au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, c'est comme ça, ça veut dire qu'Omar a compris, en tout cas. Donc il n'a pas protesté, ou là il a dit, ouais, mais je ne comprends pas, ou là. Non, il a compris. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit comme ça, c'est qu'il a compris, en tout cas. Le deuxième avis, et lui c'est de Al-Qadi Iyad, rahimahullah. Adal Qadi Iyad, c'est un maghrébin, il a vécu à Sebta, donc c'est pour ça qu'on l'appelle Qadi Iyad Sebti, qui est mort, et maintenant il y a encore sa tombe à Marrakech. Et lui, il est mort en 1149 de l'Hégire. Wada, il est tellement connu qu'on a dit, « Laoula al-Qadi Iyad, la ma'urif al-Maghrib ». S'il n'y avait pas le Qadi Iyad, on n'aurait pas connu le Maroc. C'est plutôt les orientaux qui disent ça. Et c'est lui, avec les livres qu'il a écrits, la notoriété qu'il avait, ou surtout son livre Shifa, qu'il a écrit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tellement ce livre était beau, et ça, il y a un consensus dessus, et les gens ont tellement aimé, que c'est qui cet homme-là qui a écrit ce livre-là? Ben, c'est un Marocain. Ah ben tiens. Et ça, il y a un grand débat entre les savants maghrébins et les savants d'Al Mashriq sur qui sont les meilleurs, et ainsi de suite. Bon, là, on ne rentre pas, alhamdoulilah. Nous sommes tous musulmans et tous ceux qui ont apporté quelque chose à l'islam sont nos couronnes, peu importe leur origine. Donc, mais il y avait, ça, sachez que c'est les savants, parfois il y avait ces petites querelles-là, au point qu'on a dit, ils ont dit, ceux de Mashraq, ils ont dit le savoir c'est comme un oiseau, sa tête est dans le Mashraq et sa queue est au Maroc. Et sa queue c'est le moins valorisé, c'est au Maroc, c'est au Maghreb. Et les autres lui ont dit, oui, mais vous n'avez pas cité l'identité de cet oiseau. Cet oiseau-là, c'est le pont. Et la meilleure chose qu'il y a dans le pont, c'est sa queue. Donc, et il y avait ça, Ibn Hazm, il a dit une poésie là-dessus et tout ça, où il dit, je suis je suis le soleil qui brille dans le ciel des connaissances, mais mon seul défaut, c'est que je suis levé, ça veut dire je suis le soleil, c'est que je me suis levé au niveau de l'ouest. Il a dit je suis le soleil qui brille dans le ciel, mais mon problème c'est que je me suis levé du côté de l'ouest et non pas de l'est. Voilà qui n'a aïbiya, anna matla'iya, l'al-gharbo. Vous voyez, c'était des petites querelles. Ou certains disent non, mais les maghrébins, lorsqu'ils écrivent un livre, forcément ils vont innover, écrire quelque chose d'extraordinaire, comme l'imam Shatibi, le Qarafi, non, il est égyptien, l'imam Shatibi par exemple, qui a écrit dans le Muwafaqat, ainsi de suite, ou le Sirsam. Et ça, c'est des querelles qui existaient entre les savants, et ça continue même maintenant. Mais bref, là, on respecte, alhamdoulilah, tous les savants. D'une manière générale, est-ce qu'on peut dire les savants un peu du Maghreb, de l'Andalousie, c'est pas qu'ils s'attachent pas trop à la lettre, mais ils ont quand même fait des efforts d'interprétation, alors que dans l'Ouest, on s'attache trop à la lettre. C'est ce que certains disent, mais si tu prends Ibn Hazm, qui est aussi de l'Andalousie, d'ailleurs pas plus littéral que Ibn Hazm. Ouais. L'école Ibn Hazm, il était très très répandue, et d'ailleurs elle était plus répandue que l'école malikite en Andalousie, à une certaine période. Mais après, il y a certains savants comme Abu al-Walid al-Baji, rahimahullah, certains disent heureusement qu'il y avait Abu al-Walid al-Baji pour affronter Ibn Hazm, parce qu'Ibn Hazm est arrivé à un degré où il était très 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 fort, et al-Baji, donc heureusement qu'il était là pour le contrer, ainsi de suite, pour remonter le madhhab al-Maliki. Mais donc là, le côté littéral existait chez tout le monde. Il y a encore des dahirites aujourd'hui? Pas des dahirites à 100%, mais l'école dahirite a encore de l'influence chez certains savants, même au Maroc. Par exemple, le madrasa d'Aïla al-Siddiq, il y a certains parmi eux qui étaient influencés beaucoup par le madhhab dahiri. Parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages de fiqh contemporains dans lesquels on cite les avis de Ibn Hazm et de Ahmed. Ibn Hazm, c'est il est d'une très très grande notoriété, c'est un érudit, ça, personne ne peut dire le contraire.
Parfois, on cite que le côté spectaculaire de certaines fatawas qui paraissent bizarres et après on le réduit. Mais non, il faut voir l'ensemble de son œuvre. D'accord ? Et pas que de lui, que de toute son école. Mais c'est un madhhab qui n'a pas pu, parce que ça c'est une autre histoire, peut-être qu'on en parlera un jour lorsqu'on parlera de l'histoire de la jurisprudence islamique, où le politique quelque part a eu une influence sur l'épanouissement d'une école beaucoup plus qu'une autre. Donc le côté politique a joué là-dessus. Lorsque par exemple Khilafa était chez les Ottomans, ça a joué à l'avantage de le madhhab al-Hanafi. Et comme les Ottomans sont restés longtemps, donc ça jouait énormément. Donc c'est des choses comme ça. Yahya ibn Yahya al-Layth qui était en Andalousie parce qu'il était... c'est lui qui désignait le Qodat, les juges de l'Andalousie. Donc il choisissait ses élèves qui étaient malikites, exclusivement malikites. Et c'est comme ça que le malikisme il s'est beaucoup propagé. Puisque tous les juges ils vont juger avec les mêmes règles et les mêmes décrets. Donc il fallait unifier tout le monde autour d'un seul madhhab. Et donc ce fut le madhhab al-Maliki grâce à Yahya ibn Yahya al-Layth. Alors que les Marocains, ce ne sont pas les élèves les plus connus de l'imam Malik. Il y en avait quelques-uns, mais pas beaucoup, comme ce fut le cas pour l'Égypte par exemple, ou bien l'Irak à l'époque. Alors concernant, donc lui il dit, le chiffre 7 fait référence à la multitude des variantes et non à l'existence de cette version exhaustive. Donc lui 7, parce que le chiffre 7 toujours chez les Arabes, ça montre la multitude de la chose. La 7 ou 70, ou lorsque l'Ajjil dit si tu demandes pardon à ces hypocrites 70 fois, Dieu ne leur pardonnera pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au rapport sur lui, qu'il a dit, si je savais que Dieu accepterait ma demande de pardon pour eux, soit si je la répétais plus de 70, je l'aurais fait. Mais ça montre que 70, c'est un chiffre seulement pour montrer la multitude. Donc lui, il dit, non, il n'y a pas que ça, il y en a plus, mais c'est un chiffre. Ça veut dire plusieurs lettres, donc il y en a beaucoup. Mais là aussi, cet avis-là, on peut émettre une objection dessus. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Jibril à chaque fois de lui rajouter une variante. C'est pour ça que j'ai insisté sur j'ai exposé les premiers hadiths, parce qu'il faut toujours qu'on revienne à ces hadiths-là. C'est eux qui vont nous expliquer quels sont les avis à écarter. Le prophète lui disait, rajoute-moi. Et il lui a dit, je te rajoute une deuxième, une troisième. Donc là, ce n'est pas une question de multitude, jusqu'à 7. Donc on ne parle pas de multitude, on parle bien d'un chiffre précis. Donc voilà, c'est ce que je dis ici. Le prophète me demanda à Jibril à chaque fois de lui rajouter une variante jusqu'à parvenir à 7. Donc ce chiffre est réel et ne peut signifier uniquement la multitude de lectures. D'accord ? Troisième avis. Cette variante signifie cette catégorie de sens et de décret. Là, on va rentrer dans la complication. Ça veut dire cette catégorie de sens et de décret, et on va les énumérer. Et là aussi, il y a plusieurs avis qui ont été donnés dans le... ça, c'est l'avis global, mais lorsqu'on rentre dans les détails, certains savants ont divergé. Donc, ils disent, avec cette variante, ça veut dire le licite et l'illicite, le halal ou le haram, l'injonction et la réprimande, l'amr ou le zajr, le muhkam ou le mutashabih, le sans équivoque et l'équivoque, ou l'amthal et les paraboles. Donc c'est ça les sept variantes. C'est que dans le Coran vous trouvez des choses qui parlent du licite. Donc ça c'est une variante. Ça ada harf. Donc vous voyez là la traduction, comme tu as dit, variante, ça, là c'est, ça ne convient pas ici. Donc c'est pour ça que les interprétations ont divergé. Et c'est pour ça que d'ailleurs le mot lettre est polysémite. Donc on peut avoir plusieurs sens. Donc eux ils disent sab'at, donc cette catégorie. Al-halal ou al-haram, l'amr ou al-zajr, al-muhkam ou al-mutashabih ou al-amthal. Donc le licite, l'illicite, l'injonction et la réprimande, le sans équivoque et l'équivoque, et la parabole. Donc voici les sept choses qu'on retrouve dans le Coran. Et ce sont les variantes là. Le Coran a été descendu sur ça. D'autres ont dit, qui sont dans le même avis, mais lorsqu'ils vont détailler, ils vont donner autre chose. Ils ont dit non, il y a al-halal ou al-haram, al-muhkam ou al-mutashabih ou al-amthal. L'illicite et l'illicite, le sens équivoque et l'équivoque, les paraboles, la construction et l'information. Par exemple, tout ce qui concerne les récits des communautés précédentes, des prophètes, ce qui est arrivé aux prophètes, ça c'est l'ikhbar.
C'est de l'information sur des choses qui sont arrivées ou des choses qui vont t'arriver. Il y a quoi équivoque ? Équivoque, c'est lorsqu'un texte supporte plusieurs significations. Non équivoque, c'est un texte qui ne supporte qu'une seule signification. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Par exemple, lorsque Allah Azza wa Jalla dit « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » les femmes répudiées doivent manifester une période de viduité qui dure 7 قروء. Ça veut dire quoi le mot « قرء » Le قرء, c'est le pluriel de « قرء ». Ça veut dire quoi? Certains vont dire « le قرء » c'est la fin des menstrues. Certains vont dire « le قرء » c'est le début des menstrues. Donc là, c'est un texte qui reste équivoque. Il y a deux significations possibles. Le sens équivoque, c'est... ça n'a qu'un seul sens. Ça n'a qu'un seul sens. Comme le voilà. Bras, c'est un voilà. On ne peut pas avoir un autre sens. Voilà. D'ailleurs, il en parle dans le Coran. « وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ » Il y a des versets sans équivoque, « مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ » C'est la matrice du livre. « وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ » Et d'autres qui sont sujettes à interprétation. Excuse-moi juste par rapport à ça, parce que là, il y a des équivoques, y compris dans le Coran. Donc même dans la Sunna, on peut trouver des équivoques. Est-ce qu'on peut appliquer cette règle, c'est-à-dire le but d'un musulman, c'est-à-dire y compris dans la Sunna, lorsqu'il y a des choses qui sont un peu qui portent à controverse ou la controverse, donc notre rôle c'est pas trop chercher, donc il faut beaucoup plus s'intéresser à ce qui est plus clair et plus précis dans le non ce qui est précis là il est précis ce qui peut supporter plusieurs significations, c'est là où les savants vont accomplir l'ijtihad. Entre autres, ils font la question sur ce qui n'est là où on n'a pas de texte. Ou là, lorsqu'il y a des textes qui se contredisent, donc là, les savants vont essayer soit de faire prépondérer un texte par rapport à l'autre, et dans ce cas, ils vont dire, par exemple, s'il s'agit de hadith, est-ce que ce hadith est authentique ou pas? Si celui-là est authentique, l'autre non, donc on va dire, ben ça y est, on met de côté le non authentique et on va dire c'est l'authentique qui prime. Si maintenant tu es devant deux hadiths qui sont authentiques, l'un comme l'autre, comment on va faire? On essaie de faire le jama'. Le jama', c'est de concilier entre les deux hadiths pour avoir une signification qui est acceptable, même avec les deux hadiths différents. Et si on ne peut pas faire le jama', donc on va dire non, mais c'est ce hadith qui va primer sur celui-là. Et c'est là où les savants vont commencer à diverger. Dans plusieurs affaires concernant le fiqh, surtout les détails de le fiqh, même le fiqh de salat, des ablutions, ainsi de suite, tu vas trouver ça. Adel va dire lui, mais il y a un hadith là, l'autre il va dire il y a un hadith là. Soit celui-là il va attaquer le hadith au niveau de sa signification ou bien au niveau de son sanad, et c'est ça le travail que vont faire les savants. Donc on ne peut pas dire dès qu'il y a opposition apparente on laisse tomber. Non mais moi je parle par rapport à un musulman lambda, c'est-à-dire celui qui n'a pas ce niveau de... Ah bien sûr, voilà, le musulman lambda, oui, il suit. Il s'abstient un peu de rentrer dans des textes. Absolument. Sinon c'est à risque. Absolument, absolument. Mais il n'y a pas des textes où il y a opposition apparente sans que les savants n'aient émis un avis dessus. Donc celui qui ne connaît pas, il dit Allahu a'lam, je reviens vers les savants pour leur dire qu'est-ce que les savants ont dit là-dessus. Et forcément, il va trouver une réponse. Les savants, ils ont tout passé en revue. Donc c'est presque impossible de trouver, et que quelqu'un trouve une opposition entre deux textes où les savants n'ont pas vu ça pendant 14 siècles. C'est pas possible. Ouais, d'où le mérite de la science. Absolument, absolument. Et de revenir vers les gens de savoir. Selon un autre avis proche, donc il s'agit de Nasikh ou Mansukh, ou Khas ou Am, ou Al-Mujmal ou Al-Mubayyan ou Al-Mufassar. L'abrogeant et l'abrogé, le particulier et le général, le global, le détaillé et le commenté. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça. Là, c'est un autre. Comment on va expliquer ça ou ça, ou donner des exemples, ce n'est pas le but. D'abord, pour vous montrer, vous dressez le tableau des divergences et après, on va voir quel est l'avis qui est le plus probant et le plus logique au vu de ce que nous possédons aujourd'hui. D'autres avis ont été émis dans le même sens général de ce choix, sauf qu'à chaque fois ils vont citer d'autres choses, cette catégorie ils sont en train de parler de spécificité des versets coraniques, ils ne sont pas en train de parler en réalité de variantes. C'est pour ça l'objection ici, c'est que qu'on peut apporter les divergences rapportées sur les compagnons au sujet des variantes ne concernaient pas le commentaire du Coran ou ses décrets, mais plutôt la récitation de ses lettres et mots. La preuve, c'est quoi? Le hadith de Omar ibn Khattab. Le problème n'était pas dans est-ce que licite, illicite. Non, Omar ibn Khattab, il dit tu as récité surat
Hein? Le Furqan d'une autre manière que le professeur me l'a récité. Donc le problème n'était pas dans l'évaluation ou l'analyse ou de versets ou de leurs décrets ou de leur signification. Non. Donc ça, cet avis-là non plus, on ne peut pas l'accepter. Quatrième avis, et là ça rejoint ce que le frère a dit tout à l'heure, les sept variantes font référence à sept dialectes arabes. Toutefois, les savants ont divergé quant à leur désignation. Donc comme vous le savez, dans un territoire, vous pouvez trouver des dialectes qui diffèrent d'une région à une autre. Prenez par exemple le Maroc, que je connais mieux qu'un autre pays. Il s'agit du même pays, mais selon les régions, vous avez des dialectes qui diffèrent. Et concernant, par exemple, un même objet, vous pouvez avoir des variantes. La viande, par exemple, vous allez trouver, la majorité vont l'appeler l'hem. Vous allez dans certaines régions, des berbères, il va te dire aksoum. Vous avez dans une autre région, il va te dire tifiyé. Les enfants, certains vont te dire l'atfal. Certains vont te dire l'awawil. Certains vont te dire l'drari. L'autre va dire que Efrachan Tifrachin, l'autre va dire que Ishirran Tishirratin. Donc vous voyez, ça c'est des dialectes qui diffèrent dans les régions. Et chez les Arabes, il y avait plusieurs tribus et ils avaient ces variantes-là sur certains mots. Yani, ça, la majorité de la langue, des mots de la langue, ils sont pareils, mais il y a des variantes concernant un terme précis. Donc il se peut que le Coran, sur certains termes ont changé. Il a été changé par un autre. Pour que justement quelqu'un qui est dans une autre tribu lointaine, pas forcément à Quraysh, parce que c'est là où le Coran a commencé, pas à la Mecque, comprend le sens de ce Coran. Si tu lui récites le Coran avec un terme qu'il ne connaît pas, mais qui est connu par Mecca, il va dire, mais je ne comprends pas, c'est quoi ça? Donc peut-être ça peut être ça. Après, les savants ont dit, alors c'est quoi les sept variantes? Donc c'est quoi les sept dialectes? Alors, d'aucuns disent qu'il s'agit de Quraysh, donc la langue de Quraysh, de Hudhayl, de Thaqif, de Hawazan, de Kinana, de Tamim et de Yémen. C'est ça les sept dialectes de ces sept grandes régions de la péninsule. D'autres vont être d'accord sur cinq de ce que j'ai cité, mais pas d'accord sur les deux dernières. Donc, ils ont dit oui, on est d'accord pour Hawazan, Sa'd, Thaqif, Kinana, Hudhayl, tandis que les deux autres dialectes regroupent toutes les langues des Arabes. Donc c'est pas que toutes les autres tribus se regroupent dans deux variantes. Ça c'est un avis. Mais on peut émettre une objection contre cet avis. C'est que Omar ibn Khattab radiallahu anhu, a eu un différend avec Hisham ibn Hakim ibn Hizam sur la lecture de Surat al-Furqan, alors qu'ils appartiennent à la même tribu, sont tous les deux de Quraysh, de la Mecque. D'accord? Donc là, cet avis-là ne tient pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait bien qu'il s'adressait à deux Quraishites, hein, à Omar ibn Khattab et à Hisham. Et il a récité à celui-là d'une manière et à celui-là d'une autre manière. Donc pourquoi avait-il besoin de lui réciter d'une autre manière s'il comprenait la manière de la Mecque? C'est pas possible. Donc vous voyez, celui qui objecterait encore l'objection pourrait peut-être dire qu'il maîtrisait plusieurs dialectes arabes. Qui? Ben les deux. C'est-à-dire que par exemple Hisham ibn Hakim, il maîtrisait plusieurs dialectes et qu'il le récitait dans un dialecte que n'avait jamais entendu. Il se peut, voilà, qui est-ce qui a poussé le professeur Asma à le faire? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi le professeur Asma il a récité de cette manière? C'est peut-être, est-ce qu'il y avait un besoin? C'est ce que tu dis, vrai. D'ailleurs, ceux qui ont donné cet avis, ils vont le défendre jusqu'au bout. Mais d'abord, là, on essaie de trouver, parce que ça reste quand même, le professeur Asma, il a parlé d'enfants, de personnes illettrées, de femmes. Et là, c'est pas les tribus. Il aurait pu dire il y a plusieurs tribus, les Arabes ne sont pas pareils. Et là, ça serait explicite. Mais là, lorsqu'il a parlé d'enfants, des enfants, mais les enfants, quel rapport avec les tribus et tout ça? Ça, même dans la même tribu, on va trouver les enfants.
Donc cet avis ne tient pas vraiment. Cinquième avis, c'est celui de la majorité des savants de jurisprudence et de hadith. Là, c'est plus les spécialistes de l'fiqh et de l'ilm hadith. Tels que Sofiane Thawri, Ibn Wahb. Ibn Wahb, c'est un des élèves de l'imam Malik. Ibn Jarir Tabari. Ibn Jarir Tabari, celui qui a écrit le grand livre de l'exégèse du Coran. Et lui, il était aussi pionnier d'une grande école. Mais une école qui a disparu au fur et à mesure du temps parce qu'il n'avait pas des élèves qui ont perpétré ces avis. Alors eux, ils disent il s'agit de 7 synonymes qui peuvent concerner un seul mot. Ça veut dire, il se peut que dans un verset, il y ait un mot qui a plusieurs synonymes. Et Allah Azzawajal va révéler au prophète sallallahu alayhi wa sallam le même verset avec ce mot-là, le même verset avec un deuxième synonyme, le même verset avec un troisième synonyme, et ainsi de suite. Donc c'est ça, les 7 variantes, c'est des synonymes à certains mots, synonymes qui étaient connus par les Arabes. Et ils donnent des exemples. Ils disent par exemple, chez les Arabes, on dit halumma pour dire à quelqu'un viens. On peut le dire de différentes manières avec plusieurs synonymes. On peut lui dire halumma, aqbil, ta'ala, ilayya, qasdi, qurbi, nahwi. Oui, donc j'ai ici 7 termes, 7 synonymes qui veulent dire exactement la même chose. Donc ils vont dire. Voilà, donc Allah Azzawajal va utiliser des synonymes pour certains mots. Parfois il va utiliser un seul, parfois il va utiliser 2, parfois 3, mais il peut aller jusqu'à 7 synonymes. C'est pour ça qu'on a parlé de 7 lectures. Pour certains termes, on peut aller à 7, mais pas plus. 7 lectures ou 7 variantes ? 7 variantes, je m'excuse. 7 variantes. Et donc, c'est ça ce qu'ils disent. Donc, c'est ça, c'est des synonymes qui remplacent certains termes dans le Coran. Cette lecture égale 7 synonymes en fait. Cette lettre est égale 7 synonymes au maximum pour certains termes. Ubay ibn Ka'b lisait par exemple, donc là ils avancent des preuves. Et donc là vous voyez, là on commence à argumenter quelque chose qui est acceptable. Donc par exemple dans Surat al-Baqarah verset 20, كلما أضاء لهم مشوا فيه. Ubay ibn Ka'b, vous connaissez Ubay ibn Ka'b, هذا c'était un des grands lecteurs du Coran, de connaisseurs du Coran. Et professeur Al-Asmi lui a témoigné de sa grandeur et de sa connaissance du Coran. C'est à lui lorsque le professeur Asmi lui a dit quel est le verset le plus glorieux que tu connais. Il lui a dit Allah wa Rasul A'lam. Il lui a répété la question 2 fois. Il lui a dit Allah wa Rasul A'lam. Il lui a répété la question 3 fois. Ça veut dire je suis en train de te tester, tu dois me répondre. Et il lui a dit Allahu la ilaha illa wal hayy al qayyum. Il a cité son ayat al-Kursi. Et là le professeur Asmi il a tapé sur son thorax. Il lui a dit liyahnika l'ilmu abel mundir. Il le surnommait abel mundir. Liyahnika l'ilmu abel mundir. Que Dieu bénisse le savoir qu'il t'a donné, que Dieu bénisse le savoir qu'il t'a donné au Abba al-Mundir. Donc c'était une grande référence et on reparlera de lui plus tard. Donc lui, il lisait ce verset-là, kullama adaa lahum mashaw fihi. Parfois il lisait kullama adaa lahum marru fihi. Et parfois il lisait kullama adaa lahum sa'aw fihi. Donc vous voyez, il utilise 3 synonymes: mashaw, marru, sa'aw. Donc là, j'ai 3 variante concernant ce verset-là. 3 variantes. Donc là, on est dans le concret. Là, voilà, voici un exemple concret. Et là, c'est un compagnon qui lit de cette manière-là. Donc là, on est un peu rassuré. On voit un exemple concret et c'est possible. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui est aussi une très très grande référence au niveau du Coran, lui, dans Surat al-Hadid, يَوْمَ يَقُولُ الَّذِينَ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا Nzuruna naqtabis min nurikum. Nzuruna, ça veut dire le jour, alors le verset, le jour où les hypocrites diront aux croyants, aux croyantes, attendez afin qu'on profite de votre lumière. Parce que le jour du jugement, les croyants, ils auront de la lumière qui va éclairer leur devant. Ils vont avancer avec, et une lumière va éclairer le devant.
le devant et la droite. Allah Azza wa Jalla dit الذي قرض الله قرضا حسنا فضاعف له أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière les devancer devant eux et à leur droite. Donc les hypocrites vont leur dire: attendez-nous pour, afin que l'on puisse profiter de votre lumière, pour nous, que nous aussi on ne marche pas dans les ténèbres. Donc nzuruna, attendez-nous. Ou bien Ibn Mas'ud il lisait amhiluna, amhiluna, ce qui a la même signification. Ou akhiruna, donc vous voyez là, c'est trois variantes, trois synonymes pour le même mot. Là, pour ceux qui ne maîtrisent pas l'arabe, vous me faites confiance que c'est des synonymes. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on est d'accord que les sept variantes, donc ce sont pas synonymes de cette lecture, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans un Qur'an, je peux trouver ce même verset dans une même lecture de deux manières différentes? Non. Aujourd'hui, tu trouveras Kunzuruna. Tu ne trouveras plus Amhiluna, Akhiruna. Par contre, tu ne le trouveras plus. Ça veut dire que ces deux variantes n'existent plus maintenant. Ça, on va revenir. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ça, c'est la question qu'on posera à la fin. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce qu'on a des versions? Est-ce qu'on a les variantes? Ou est-ce qu'on a les lectures? On verra ça après. Ou alors, de quelle variante il nous reste? Voilà, tout à fait. On va parler de ça. Entre parenthèses, pour revenir, parce que j'ai regardé une fois une émission sur la télé, il y a un qui dit: le Coran qu'on est là, c'est pas le Coran qui était... Il commençait à donner ces exemples. Ben c'est ça ce que je dis. D'abord maintenant, lorsque vous allez mieux comprendre. Là, ça, il essaie de manipuler. Voilà, c'est ça ce que j'ai dit tout à l'heure. Franchement, ça n'a pas mis de doute à moi, mais quelqu'un qui a un petit doute, il va dans ses doutes. Voilà, c'est pour ça, ce qu'il faut savoir, les musulmans, ils ont une réponse à tout. Ils ont une réponse à tout. Le problème, c'est l'ignorance maintenant qui a un petit peu, qui s'est répandue dans la communauté musulmane, et certains orientalistes ou des musulmans qui cherchent les petites bêtes et tout ça. Donc ils vont un petit peu piocher dans certains récits. Ils vont trouver des choses comme ça. Après, ils vont donc ils vont vous les présenter une première fois. Vous allez être choqués. Bon, certains vont dire non, il doit y avoir une explication parce qu'ils sont rassurés. Certains, ils vont commencer, qui ont déjà le doute, parfois des non-pratiques, ont dit: ah ben voilà, donc la religion là, de toute façon, je le disais depuis toujours, ça, c'est n'importe quoi et tout ça. Et surtout s'ils ne trouvent pas en face d'eux des gens qui vont expliquer les choses. Et surtout lorsqu'on est dans une émission télé, ok, ça, c'est pas dans une émission télé que tu vas développer tout ça. Et imagine, tu serais devant quelqu'un, il va te sortir là, ouais, Ibn Mas'ud il a lu comme ça, et aujourd'hui vous lisez comme ça, donc vous avez un Coran différent. Il faut qu'il me donne 2 heures pour que je lui explique. C'est ce que... La preuve aussi, j'ai demandé un exemple tout à l'heure, même si vous avez donné l'exemple, je ne comprendrai pas. Oui, voilà, mais au fur et à mesure on va construire. Voilà. C'est ça le but maintenant de cette formation, c'est que vous allez voir qu'il y a parfois certaines choses, c'est pour ça qu'on dit haqqun urida bihi batil, une vérité par laquelle on cherche à semer la discordance. Mais lorsque le musulman comprend ça, ça ne pose pas de problème chez lui. Voilà. C'est un constat personnel, hein, mais par rapport à Khulufu Sab'a, j'ai constaté que beaucoup de gens méconnaissent totalement. Tout à fait, ça. Tout à fait. Alors que les riwayats, ça, tout le monde connaît. Tout le monde connaît, tout à fait. Alors que pourtant, c'est fondamental, puisque c'est un sujet qui fait partie du Coran. Donc, je me posais la question, pourquoi est-ce que c'est méconnu? Non, c'est pas... D'abord, il y a ce qu'on peut appeler la culture générale de l'islam. Thaqafa islamiyya. Normalement, les musulmans sont censés avoir une culture générale sur l'islam, même s'ils ne sont pas des spécialistes, ou talabat l'ilm, ou des étudiants du savoir. Et monsieur tout le monde, monsieur lambda, doit connaître certaines choses. Alors, on ne va pas le submerger par des informations. Ça, on est dans la technicité, là. Donc, les savants, ils ont des priorités. Tu vas venir à le Jumu'a, on ne va pas développer un sujet comme ça dans le Jumu'a. Parce qu'il n'a aucun but. C'est on va le développer si besoin est. On a des gens qui. Des détracteurs qui abordent ce sujet ou qui sèment le trouble dans l'esprit des gens, ainsi de suite. Là, oui, on va dire. On a entendu dernièrement ceci et cela. Je vais vous expliquer à travers un Jumu'a ou deux Jumu'a. Parce que là, ça s'impose. Mais tant qu'on n'a pas de problème,
ces sujets-là vont être traités par les étudiants du savoir. C'est des spécialités. C'est comme la médecine. Il y a certains sujets qu'on connaît dans la médecine d'une manière générale. Le sucre est mauvais, les choses gazeuses sont mauvaises, la nutrition, il faut sortir cadavre, il faut laver bien les mains lorsque c'est. Ça, c'est des notions médicales du quotidien dont on a besoin. Mais on ne va pas rentrer avec monsieur tout le monde dans les détails de la médecine. Donc, pour connaître ces détails-là, il faut étudier la médecine. Donc, pour connaître ces détails-là, il faut étudier Sharia. D'accord ? Et après, maintenant, c'est à nous. C'est ce que je dis ici maintenant, moi c'est une conviction personnelle, c'est que ici en France maintenant, de plus en plus, on a besoin dans les mosquées d'immuniser la jeunesse avec des données techniques parfois. Même si ça peut paraître comme une perte de temps, et ça ne va pas renforcer la foi, ça ne va pas augmenter la spiritualité, mais ça va immuniser la personne contre les détracteurs et tout ce qu'on va entendre ça et là. Chose qui va venir, ça a commencé déjà, et maintenant c'est poussé avec, voilà, avec des grands moyens, maintenant des associations au niveau national qui vont, la semaine dernière, une qui a déposé ses statuts et tout ça, ça va devenir officiel, ils vont tourner maintenant dans les régions, recruter des imams, venez avec nous et tout ça, on a une autre vision. Et voilà, lorsqu'on a des crédules qui rentrent dans ce genre de machine, donc ils risquent de tomber dans la manipulation idéologique. Donc c'est pour ça que maintenant on a besoin d'immuniser nos frères et sœurs avec ce genre d'études. Voilà. Je pense que ce que vous dites, il est valable aussi même dans les pays musulmans. Donc je sais pas, moi je vois par exemple en Algérie, c'est valable un peu partout dans les pays musulmans. Tout à fait. Maintenant avec l'ouverture, avec Internet, absolument. Gens, en fait, ce genre de questions donc, commence à poser problème dans le sens où c'est ouvert, donc c'est accessible à tous, etc. Tout à fait, Barakallah, c'est parce que là maintenant les détracteurs ils utilisent les moyens de communication. Ouais. Autrefois on était dans des pays, dans un cocon, on est protégé, des détracteurs ils ne vont pas apparaître comme ça, l'État qui protège, il y a tout, alors que là maintenant personne ne peut protéger, l'information elle vient jusqu'à chez toi, par Internet, par les réseaux sociaux, ainsi de suite. Donc ou bien, et moi je suis par exemple sur Internet, je vois parfois des pseudo-imams, là qui disent des sottises, des choses très très graves, par exemple lorsqu'ils attaquent le Bukhari ou des choses comme ça. Et je vois les jeunes qui les suivent, qui like. Ah, Masha'Allah, Cheikh, il appelle Cheikh en plus. Masha'Allah, Cheikh, ce que tu as dit là, c'est vrai, il faut ouvrir la conscience des musulmans, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. On les a leurrés pendant des siècles, heureusement que tu nous réveilles. Ouais, il n'arrive même pas à dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je l'ai entendu dans sa vidéo, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et il se dit, il étudie le Bukhari et tout ça, il ne sait même pas dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et d'accord, et il laisse pousser un petit peu la barbe et tout, et les gens, ils croient, ben voilà. Et là, c'est un vrai danger. Moi, je ne cesse de tirer la sonnette d'alarme. C'est des sujets que j'aurais jamais traités il y a des années, parce que tu dis, mais on n'a pas besoin de ça. Mais maintenant, non. Il faut les traiter. Et il faut maintenant que chacun consacre un peu plus de temps à connaître sa religion. Pas seulement le strict minimum, mais à connaître certains détails, même si on rentre dans les techniques. Comme ça, lorsqu'il va entendre un détracteur qui parle, et tout de suite, il va le stopper. Non, j'ai compris, moi, je comprends le sens. Ou au moins, discuter avec d'autres ou enseigner ses enfants. D'accord ? Donc, et d'où justement l'utilité de ce genre de séminaire. On n'est pas attaqué que par des religieux, en fait. Hein. Ah, là, bien ça, sûr. C'est sponsorisé par les médias. Hein. Les médias, il y a des grandes entreprises du 440 qui financent aujourd'hui, qui font le mécénat pour des associations et des organisations qui essaient de casser l'islam au niveau idéologique. Donc maintenant, la guerre qui va venir va être idéologique. Et de plus en plus, on va vous ramener des gens qu'on va dire des spécialistes. Et le spécialiste qui maîtrise l'arabe et qui, par exemple, il va se trouver devant un musulman de bonne foi ou qui est convaincu de l'islam, il va le démonter en deux secondes parce que l'autre, il est bien formé. Donc, il a que la bonne foi, mais il n'a pas la formation pour affronter ce genre d'attaque. Donc c'est pour ça que nous devons armer avec le savoir notre jeunesse. Et plus on commence tôt avec les enfants, et les choses que maintenant on donne aux jeunes lorsqu'ils ont 20 ans, 30 ans, il faut les donner aux enfants, enfin 10 ans, 12 ans. Et un enfant de 13, 14 ans dans une mosquée, pour moi, il doit avoir fait le tour de la culture générale que doit avoir un musulman. Oui, mais... À partir de 14 ans, et l'adolescent cadavre, on doit commencer à rentrer dans certains domaines de spécialisation, normalement qu'ils étaient réservés à Talabat al-ilm, mais maintenant il faut les généraliser à tout le monde. Parce que l'attaque vient de partout. Et là, il faut nafir l'âme. Il ne faut pas que ce soit que les savants ou les imams qui défendent. Et encore, lorsqu'il y a des imams, parfois ils ne maîtrisent pas la langue, le français, pour aller affronter des gens comme ça, ou ils n'ont pas le moyen de communication pour le faire, même s'ils connaissent ces sujets-là, mais ils ne sauront les expliquer qu'en arabe.
Donc le devoir justement d'utiliser l'outil de la langue aussi pour entrer dans ces sujets-là et les traiter en français. Même l'exégèse du Coran, plusieurs m'ont dit pourquoi tu fais l'exégèse du Coran en français. Non, mais c'est une nécessité maintenant aujourd'hui. J'aurais bien aimé la faire en arabe, je suis plus à l'aise. Non, mais si on va donner l'effort de tout traduire, rentrer dans les détails, même parfois s'agissant de le balara, c'est un domaine qui est réservé à la langue arabe et la littérature arabe. Il faut qu'on soit arabophone pour le comprendre. Mais on peut faire détecter à l'audience, à l'auditeur, et le côté miraculeux de la rhétorique coranique, même si on utilise la langue française. On peut le faire. Alhamdoulilah, on arrive à le faire. Et donc ça, c'est pour ça qu'il faut se pencher sur... C'est pas lorsqu'on parle de tajdid al-khitab dini, la rénovation de discours religieux, c'est dans ce sens-là. C'est qu'il faut le rénover au niveau de l'outil de transmission et au niveau de le mutalqi, de celui qui va réceptionner le discours. Donc avant ce qui était réservé aux savants ou aux talaba de l'ilm, il faut maintenant le donner au grand public parce qu'on a de plus en plus une jeunesse qui est instruite, qui va à l'école, qui maîtrise donc les éléments de la compréhension et qui peut comprendre une argumentation scientifique. Donc pourquoi les priver de ce... de cette richesse-là. On a prévu une petite pause avant l'Asr. Inch'Allah. On m'a dit 2 heures, là il me reste 8 minutes. Ou l'Asr sera rentré. Non, c'est bon. C'est bon. Mm-hmm. Donc là, j'ai l'heure devant moi. On m'a dit 2 heures, on a dit, on l'arrête. Ça. Donc ça sera. Je serai à l'heure. Alors donc, comme j'ai dit, l'objection ici qu'on peut donner à ça, c'est que les différences entre les 7 variantes ne concernent pas la multitude des synonymes pour les mots uniquement. Dans les dilectures authentiques, d'autres différences existent. Aujourd'hui, dans les dilectures notoires, qu'on lit, qira'at l'ashr, là je ne parle plus des variantes, qira'at l'ashr, on trouve des variantes qui n'ont rien à voir avec les synonymes. Par exemple, lorsque l'ashr surah al-Imran, il dit « Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati al-ardu wa samawati al-ardu » Ça c'est selon la lecture de Hafs, riwayat de Hafs, al-Asim. Lorsqu'on va dans la lecture de la riwaya de Warsh, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Là, j'ai rajouté un waouh. Donc, on n'est plus dans le synonyme. Et ça, forcément, il n'existe pas. Forcément, ça fait partie des variantes. Parce que les variantes, ça englobe tout ce qui a été révélé par Dieu. Donc, c'est sûr que le waouh qui existe là, qui n'existe pas là, fait partie des variantes. Mais cette explication ne prend pas en compte ça. Ou bien lorsque Washamsi Waduha à la fin, vous lisez selon le riwayat Hafs, Wala yakhafu Rukba. Lorsque vous lisez Warsh, Fala yakhafu Rukba. Ici c'est Wala yakhafu, l'ukhra c'est Fala yakhafu. Le waou il fait. Là on n'est pas en train de parler de synonyme, on est en train de parler de changement carrément d'une lettre et pas l'emplacement d'un mot par un synonyme. Oui, même si ça. Là, on parle pas la signification. De toute façon, rassurez-vous, une chose, mais déjà pour qu'on. Alors, les 7 versions sont pareilles. Il n'y a pas une version qui va dire la chose et l'autre qui va dire son contraire. On est toujours dans la même. Voilà, quelques petites nuances, mais que Dieu a voulu mettre. D'accord ? C'est pas pour rien. Par exemple, lorsqu'on lit l'histoire de Moussa avec le Khadr, selon que vous lisez Hafs ou Warsh, vous allez trouver des. Par exemple, lorsque le Khadr lui dit. Alors, il d'abord ça me. Satajiduni, insha'Allah. Satajiduni, et parfois tu dis Satajidunia. Dès que le radic, même s'il y a Satajidunia, Satajiduni, ça a un sens aussi littéraire. Les savants disent Ziyadatu fil mabna, tadullu ala ziyadati fil ma'na. Un ajout dans la construction littéraire signifie un ajout dans la signification. Elle dit que Satajidunia, c'est quelqu'un, ça te traduit la parole de quelqu'un qui est modeste. Dit que l'ya el mutakillim. Le ya là, c'est de celui qui parle. Donc Satajidunia, il a coupé le ya. Tellement il est modeste qu'il ne veut pas mettre en exergue sa personne. Satajidunia, insha'Allah, sabiran. Donc là, ça montre qu'il est modeste. Lorsque je dis « Satajiduni, Inch'Allah », donc le « ya », là, il ressort, d'accord. Et il y a des petites nuances là. Il dit « Omor » le ulama dit « Omorun tushem wala tufrak ».
ce sont des choses qu'on sent, mais on c'est la couche fait. Et c'est des petits flashs comme ça qui donnent une beauté au Coran. Mais on n'est pas dans le domaine de la contradiction. Soyez-en sûrs. Et là-bas, regardez, pour l'instant, l'explication qui a été donnée, elle a commencé à nous convaincre, mais elle n'arrive pas à expliquer tout. Aujourd'hui, dans les lectures qu'on a et qui sont notoires, on peut trouver des différences. Donc ces différences-là, comment on peut les expliquer? Votre définition ne nous explique pas tout. Donc il faut trouver une définition qui englobe le tout et on va y arriver. Juste, il y a combien avec mon tableau, je mets 2 ans. Je me rappelle. Je dois m'adapter par rapport à ta feuille. S'il faut, tu rajoutes un bout de feuille. Je ne crois pas qu'il nous reste beaucoup, rassure-toi. Là. Donc, je vais te dire tout de suite. Hein. Alors, cet avis suppose que le Coran actuel est basé sur une seule variante. N'est-ce pas? Puisque on va choisir qu'un seul synonyme. Aujourd'hui, dans le Coran actuel, on trouve le même mot. On ne trouve pas dans 2 lectures 2 mots différents. On veut peut trouver une lettre qui a ajouté ou une lettre qui a sauté, un mot avec un prolongement. Là-bas, il n'y a pas de prolongement. D'autres choses, mais pas le changement. Donc, ça veut dire, ça suppose que dans le Coran actuel, il n'y a qu'une seule variante, que les 6 autres ont été abandonnés. Or, et là on va compliquer les choses, Uthman radiallahu anhu a réuni les musulmans autour de la dernière récitation qu'a effectuée le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Jibril alayhi salam. Et rien ne prouve que cette dernière a abrogé 6 variantes pour n'en laisser qu'une. Nous savons très bien que Jibril alayhi salam, il venait réciter et réviser avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter le Coran de sa mémoire, et Jibril, s'il le faut, il lui le corrigeait. Et il lui disait, ce verset, tu le mets dans telle surah, ce verset avant ce verset, et ainsi de suite. Et le prophète Asmi, il faisait appel, on verra tout ça, je crois, tout à l'heure. Le prophète Asmi, il appelait ses scribes, il leur disait, le verset là, tu le mets ici, le verset là, tu le mets là. Et le prophète Asmi, il apprenait ça par cœur, et après, il récitait sur Jibril. Et surtout, pendant chaque ramadan, Jibril, il venait et il récitait tout ce que le prophète a reçu jusqu'alors. Et la dernière année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait mourir, Jibril alayhi salam est venu 2 fois pendant le ramadan. Il a fait le khitma l'oula avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le khitma tania avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a récité le Coran 2 fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, ça c'était une annonce que c'est la dernière, ça c'est fini. Et le Coran ne va plus descendre. Et s'il ne va plus descendre, ta mission est terminée. Donc, où est-ce que tu seras mieux? Là-bas ou ici? Bien entendu là-bas. Donc, tu n'as rien à faire, ta mission est terminée ici. Là, les pieux, une fois sa mission est terminée, qu'est-ce que je fais sur terre? La quel espoir c'est de rencontrer Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça qu'à chaque fois Allah Azza wa Jal a donné le choix au prophète de vivre encore ou de mourir, il choisissait de mourir. Parce qu'ils disent, voilà, j'ai hâte de voir la récompense divine, j'ai rien à faire sur cette terre. Donc voilà, le prophète Asma a fait la dernière révision. Ce qu'on appelle khatma al-akhira, la dernière révision. Et c'est là, rien ne précise qu'elle a abrogé. Sinon, le prophète me l'aurait dit. Il y a ça, on a abrogé tous les restes, les autres variantes, j'ai laissé qu'une seule. Walakin, comme on va le voir tout à l'heure, c'est que c'est cette khatma-là qui est pour nous la plus importante. Hein? Parce que c'est là où Jibril a. Parce que s'il fallait abroger un verset, c'est là où il va l'abroger. S'il fallait faire disparaître un verset complètement. Parce qu'il y a des versets qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui après ont été enlevés complètement du Coran. Comme par exemple, un enfant ne peut être considéré comme l'enfant d'une femme. Voilà, un enfant qui a allaité chez une femme 10 fois est considéré comme son enfant par allaitement. Il y avait un verset qui disait 10 allaitements. À 2 versets là, il a disparu maintenant. Comme le verset de la lapidation de celui de quelqu'un qui est marié et qui a commis l'adultère. Il y avait un verset qui parlait de la lapidation. Et ce verset-là, maintenant, il a sauté du Coran. Dieu a voulu qu'il saute du Coran, qu'il ne reste pas. Ou Dieu, non, certes. Là, non, certes, il y a ce qui est non, certes. Il y a le mansour. Il y a 2 types de nasr. Il y a l'abrogation du texte et du décret. Nasr tilawa wal hukm. وكان بعض الأحيان نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دون الحكم. Ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, الختمة الأخيرة c'est elle qui allait يعني
montrer au prophète, voici le Coran final tel que tu dois l'adopter. Et donc forcément, celui qui va lire avec le prophète et réciter avec le prophète après le khatm al-akhira va avoir une grande importance chez les musulmans. Et on verra pourquoi Abu Bakr Siddiq a choisi Zayd pour écrire le Coran plutôt que Ibn Mas'ud. Parce que Zayd a eu la chance de réviser avec le prophète le Coran après le khatm al-akhira. C'est quoi le khatm al-akhira? C'est la révision finale, ultime. La révision ultime que le prophète a faite avec Jibril lors du dernier Ramadan. D'accord? Donc, le khatma, c'est terminer toute la lecture du Coran. De le Coran. De le Baqara jusqu'à. Donc, c'est la dernière récitation qu'a faite le prophète sallallahu avec Jibril. Qui est la plus importante parce que c'est la dernière qu'il a faite. Voilà, parce que c'est celle-là qu'on va prendre en compte. D'accord? Du coup, on peut. En fait, on peut avoir cette réflexion et se dire que le besoin qui était présent à l'époque du prophète sallallahu d'avoir plusieurs variantes. À l'époque de Uthman, quand ils n'en ont gardé qu'une, ça veut dire que ce besoin était plus existant. Ah, ça, si on considère qu'on en a gardé qu'une. Oui. Peut-être celle qu'on a gardée, c'est un mélange de plusieurs variantes. Barakallahu fik. Plusieurs, mais n'englobe pas tout. C'est ça la conclusion finale. Et l'englobe une bonne partie des variantes, mais pas toutes les variantes. Donc il y a certaines variantes qu'on n'a plus, ou il y a plusieurs variantes dans la même lecture qu'on est en train de lire aujourd'hui. Mais lorsqu'on va donner des exemples, vous allez mieux comprendre, Inch'Allah. Donc là, ça commence à se. Voilà, on va commencer à s'élaborer bien, Inch'Allah. Voilà. Donc là, on est à 2h02. On s'arrête là, Inch'Allah, pour un petit repos. Et après l'Asr, Inch'Allah, on continue. Voilà, j'ai préparé du café. Je vais le chercher d'ailleurs. 13. Juste, j'ai une question. Oui. Pour revenir sur un point, sur les riwayas. Vous avez dit qu'il y a 10 lectures, 7 lectures qui avaient été authentifiées, et puis après on en a rajouté 3. Et en fait, je pensais que chaque rapporteur, au niveau par exemple au niveau de Asim ou de Nafir, il y en avait 7, et que chacun avait deux grands élèves. Oui. Comme par exemple Nafir avec Qaroun. Ça c'est Tariq, a dit que ça s'appelle. On verra ça. Ça, il y en a 14. C'est ça. Vous allez voir, on peut aller jusqu'à 900 et quelques. Ah, ouais. Non, c'est pas là où je vais avec Tariq. On va détailler tout ça. Par exemple, Wash, عن طريق الأزرق ولا عن طريق الأصبهاني عفتني ميم الأزرق عفتني عنده طرق أخرى الأصبهاني عفتني عنده طرق أخرى et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à 900 et quelques lectures. On va expliquer tout ça عفتني lorsqu'on abordera القراءة. D'abord on est sur l'Ahruf, après on va voir. Donc je vous dis les chapitres. Donc là on est en train d'étudier ce que c'est que l'Ahruf. Après on va voir le chapitre de comment le Coran a été rassemblé et pour qu'il ne soit parvenu de la manière qu'on voit maintenant. Ensuite, Inch'Allah, peut-être si on n'arrive pas aujourd'hui, demain, on va voir les lectures, comment les lectures ont été installées et qui les a installées ou pourquoi ils ont été installés. Donc là, on va rentrer dans les détails de le qari, de le rawi, de tariq et ainsi de suite. Et ça veut dire quoi les 7 lectures, ça veut dire quoi les 10 lectures, c'est quoi les 10 petites, les 10 grandes. Tout ça, Inch'Allah, on va le voir. Inch'Allah. Voilà. On va essayer de cerner le tout. Inch'Allah, vous aurez une idée plus globale.